Et bienvenue tout le monde à ce pilote de à vos Kodak. et euh, j'exprimerai pas tout de suite euh, la totalité du titre parce que je vais laisser euh, mon frère Antoine euh, vous expliquer le titre parce que c'est lui qui l'a trouvé en fait. Yes merci euh, je suis content que tu me laisses euh, en fait euh... parler pour une première <rire> fois <rire> non, parler de ça. vu que c'est mon idée en fait donc euh, bienvenue à Avocadac tabarnak. Et voilà! Donc, euh, vous avez ici là, le podcast québécois sur lequel on va parler de la sphère euh, artistique. Donc, euh, Antoine Richard, comme euh, mon frère, euh, m'a présenté. Alexis Richard, de ce fait même. Et euh, le grand maître, François Lambert. Bonsoir. Salut tout le monde. <laughs> Bienvenue au 1275. Euh, dans le fond, c'est l'espace de travail créatif de tous nous autres. Euh, ça regroupe 35 000 mètres de production, moi-même, mais ça regroupe aussi... Les boys de Rich Bros. Euh, deux frères qui euh, ont bien de la créativité. Puis derrière la console, présentement, au son, le seul qui est vraiment caché, en fait, c'est euh, Antoine Nadeau. What up? Studio Rototom. Donc, euh, c'est euh, vraiment un espace euh, créatif. Euh, donc, ici, présentement, vous êtes justement dans nos bureaux, l'espace bureau. Mais derrière, on a le studio Rototom enregistrement. Euh, audio dans le fond studio de musique puis un studio de photo au fond salle de bain aussi cuisine salle de bain pour, pour des tour. fois de temps en temps nécessaire okay. des fois ça arrive des fois on ça est, arrive euh, on est à notre euh, <laughs> premier essai un podcast les boys ouais ben en fait tu sais l'idée je pense qu'à la base c'était on on jasait tout le temps du domaine artistique en général, les trois ensemble. Euh, le soir à 4 h, quand on a fini notre journée, on prenait une bière puis on commençait à jaser de, des expériences de Frank. Je veux, veux, pas, moi, j'ai 25. Frank, on a 10 ans de différence. Excusez. <laughs> comme, je voulais dire X années, mais c'est ça. Euh, puis, Antoine est un peu plus jeune que moi, pour ceux que ça peut surprendre. Mais, tu sais, Veux, veux pas, à travers notre expérience qui était différente, on parlait tout le temps de trucs. Euh, qui touchait à ce domaine-là. Euh, puis que ça soit, tu sais, par. Bon, euh, en 2021, bientôt, je pense que tout est affecté par les Kodak. je euh, pense que tout le monde a besoin de contenu audiovisuel. Euh, fait qu'on parlait de nos différents projets, puis tout, puis on était comme, ben, tu sais, versus plein d'autres gens qui n'ont pas l'équipement pour le faire, on a tout l'équipement pour le faire. On a le setup audio, on a les quatre caméras que ça prend, on a l'éclairage. Fait que pourquoi pas tourner ça en activité de podcast, tu Bien, puis aussi, dans le fond, ce qu'on voulait pas faire comme les autres podcasts, si je peux me permettre aussi, dans le fond, c'est de monter un peu l'envers du décor. Fait que, tu sais, vous allez comprendre que moi, présentement, je suis à la régie. C'est moi qui euh, contrôle les quatre caméras. Mais tu as aussi, dans le fond, Alexis, que lui, il est à la gestion du live. Ouais. Euh, mettre du feed? Oui, ben en fait, la, ce qui va nous différencier aussi de beaucoup de podcasts, je pense, c'est qu'on on va être capable de caster des trucs en l'air. Fait que tantôt, vous allez pouvoir le voir avec euh, notre invité, mais avec différents invités qu'on va avoir, si on veut parler euh, d'une expérience que la personne a vécue, puis exemple, c'est un spectacle, le spectacle a été capté, on va pouvoir montrer des extraits du spectacle pendant qu'on parle. Euh, fait que différents médias vont pouvoir intervenir euh, au courant de la conversation. Pis, euh, pourquoi ton frère est avec nous autres? Euh, ben dans le fond c'est ça il y a bien du cash non. Je non en fait là pour le podcast là, oui on a une business euh, commune en fait on trouvait ça super intéressant de, de créer le podcast comme on disait qu'on est on est très présent dans la sphère artistique c'est de donner l'espace aussi euh, de créativité puis donner euh, la, la place à quelqu'un d'autre aussi promouvoir les projets d'autrui surtout en, en temps de pandémie comme ça d'avoir un show virtuel qu'on est capable d'avoir une certaine euh, de respecter les règles sanitaires avec, euh, avec tout ça. Moi, je suis vraiment présent pour euh, documentation. Je vais être à la photographie. Puis aussi à la petite sideline, je vais être euh, mixologue parce qu'on va être très les bacs. Ça va être le temps de vous ouvrir euh, une bière, prendre un verre. Je vais être là pour euh, servir mes invités, documenter un peu le tout, faire les retours là, par la suite sur les réseaux sociaux avec, euh, avec tout le monde qui, euh, qui veut bien nous suivre. En fait. C'est vrai qu'il est mixologue en passant. Ce n'est pas, pas une joke. J'ai fait un petit cours. Je ne dirais pas mixologue de profession. Dans le sous-sol avec de la pâte. Il mixer a mixé des pâtes chaudes et des pâtes fraîches. Je, Je me suis clairement réinventé. Non, mais exactement. Fait que le, le pourquoi du podcast, vous l'avez déjà abordé un peu, mais c'est vraiment là pour euh, essayer de promouvoir toutes les sphères artistiques. L'art euh, est super vague, puis il y a plusieurs euh, distinctions. On voulait vraiment là, promouvoir les projets de chacun, euh, que ce soit autant dans la musique, euh, euh, dans la danse. Il y a des, des sports qui peuvent être de l'art, en fait. Euh, on peut parler d'architecture. On va se laisser là, le, ça assez vague, en fait, dans le côté de l'art, parce qu'il y a du beau dans tout. Puis comme tu le disais déjà, là, que les Kodak, présentement, avec l'art euh, audiovisuel, c'est très, très important. Donc, on voulait faire un petit peu notre part là-dessus. Là Puis, euh, c'est sûr, tu sais, on a de l'air euh, bien... Euh... Je sais pas articuler dans les cinq premières minutes, mais on est quand même des gros caves. <laughs> toi. Ouais, c'est ce que ça me fait plaisir, mais euh, je pense que c'est... On est toute une gang qui, qui, ont, qui ont du fun ensemble. Ça va être le fun de parler de toutes les, les formes d'art. puis, tu sais, euh, Nado, euh, ton mec est allumé, Nado? Ouais, t'es-tu là? Yep. Yeah, ouais, c'est Vous avez peut-être entendu des petits sons, puis tout, mais on, on, on a vraiment poussé l'aspect des médias au maximum. Fait que si vous entendez des cases, parce que notre ingénieur de son est aussi là pour euh, masquer certains sons, euh, ajouter de l'ambiance euh, parfois. On a tué un, là. Excellent. Voilà. <laughs> oh, man, on a eu cette table sur nos selles pendant deux ça. mois. <laughs> ah, C'était intense. Mais euh, toutes les formes d'or nous, euh, nous amènent à, je pense, avoir ah bon, un premier invité pour, pour ce pilote en fait euh, parce qu'on va être totalement en les gens qui voient en ce moment euh, ce pilote là euh, c'est des gens euh, qu'on veut avoir au podcast donc on veut discuter avec vous euh, de ces différentes sphères là de, de promouvoir ce que vous faites euh, puis euh... à la base en plus présentement notre premier invité c'est quelqu'un qui cohabite avec nous ouais. dans le studio dans le fond euh... Je nommerai pas tout de suite, j'allais le dire c'est qui, mais on a <laughs> un musicien dans le fond qui cohabite avec nous autres, lui euh, il paye pour avoir un accès pour justement, comme je l'ai dit au départ, dans le fond, un espace créatif. Là, fait que, euh, que ça soit pour lui-même composer de la musique, ben je vais le laisser lui-même en, en parler et tout ça. Fait que euh, on l'invite-tu à venir euh, prendre un verre avec nous autres? Ah non, il peut rester chez eux. <rire> <rire> fait que, euh, on invite notre grand chum. Mathieu Giroud, de Velvet Black. Yeah yeah, yeah yeah yeah, yeah. Mm. Merci mon chum. My man man Avec la coupe de, de vino? Ouais bah ben ouais Vino Vino Viens bonsoir. bonsoir 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 ouais. ton masque on est à 2 oui. mètres de distance, on est quand même... Oui, le coude, <laughs> oui. Ouh, bon réflexe. Dit, y a jamais assez de. Il <laughs> n'y a jamais trop de gros caves dans la place, fait que je vais m'inviter. Oui, <laughs> oui, oui. Puis lui, il a du cash, fait que on... on C'est ça. Oui, tant qu'à sortir, hein. <laughs> euh, bienvenue, mon chum. Ben, bienvenue, bienvenue euh, comme merci. on l'a par contre, es chez vous. Ouais. Ouais, c'est chez nous, ici. Euh, <laughs> euh, non, non, euh, merci pour l'invitation, boy C'est mon premier podcast, en fait. Fait que, euh, ben content. Ça va être le fun de jaser. Puis on, on jase souvent, mais c'est rare qu'on ait l'occasion de jaser. Euh, ah ouais, comme euh, un, petit de de demain, de moi, un, un petit bout de demain, moi, avec un petit beurre. Ça fait longtemps qu'on se connaît, moi puis toi. Mais tu sais, oh, ouais. dire, euh, d'en apprendre sur toi, d'en apprendre constamment surtout dans le fond, puis sur ta création, sur la musique en général et tout ça. Là. Moi, je suis bien content de commencer justement avec... <laughs> Un musicien premièrement parce que justement on est dans une place de musique aussi c'est sûr nous on fait plus de la production vidéo mais en tant que tel on a fait des clips ensemble puis tout ça les boys font des clips aussi puis tout fait que je pense que le fit était bon avec toi ben merci Frank, ben en fait c'est oui, pas loin de 10 ans, pas, pas vrai qu'on se connaît nous autres C'est quoi le premier projet? Le nombre d'années que tu as de différence avec Alexis T'es pas né quand on s'est rencontré En fait est quand même chanceux mon Dieu parce qu'on m'a demandé c'est quoi le premier projet qu'on a fait ensemble Puis j'ai essayé <laughs> de retrouver comme... Euh, c'était au bar à Saint-Ville hein? Ouais mais en fait on avait fait <laughs> un, un petit au bar Saint-Ville mais c'était ouais. pour le Mium du Rock oui, oh oui c'est vrai au Dagobert, ah, dans les bonnes années ah, du Dagobert, C'est un ouais. une des plus sick compétitions qu'il y avait Vraiment. au Québec. C'était dans ce temps-là, c'était Pic, Pascal Cloutier, salut Pic. Mais <laughs> euh, non, c'était lui qui, qui était son là-bas, puis sais, j'en jasais avec parce qu'on a reparlé de l'omium, puis il me disait, mais, ça n'avait pas de bon sens là c'était des bands. c'était au-dessus de 40, 30 40 bands, tu euh, puis c'est du monde qu'on commençait, je veux dire c'est un concours fait que tu te lances un peu là-dedans c'est du monde, euh, c'est ça, des, des jeunes qui veulent faire de la musique puis euh, mais l'ambiance était cool, tu sais hey, l'ambiance man, euh, ouais, le sol ouais. du dagobert pour ceux là qui ont connu ça, peut-être vous autres aussi, tout, es tu allé un peu. Moi ouais, euh, ben, mes ben? amis ont fait le du rock, j'ai filmé j'ai en fait j'ai joué sur cette scène là mais sans faire le minimum Le stage ouais. était vraiment le fun, ouais. je ne ben, sais pas si tu te souviens, il y avait comme des poutres, tu sais, en avant, il y avait comme. Euh, tu avais le stage, puis tu avais comme un step pour moi, à peu près gros comme ça, là. Puis c'était pour monter. En tout cas, je, je trouvais ça vraiment fresh. L'ambiance était vraiment malade, C'est plate. Ouais, que... C'est pas justement la shot que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est justement ça, quand tu changes ouais, le ouais. Photograph, là, à côté. Là, ouais, et Photograph, ouais. peut-être ouais. ça là moi. Ouais, écoute, on va la reprendre, <laughs> on va la reprendre. <laughs> mais euh, non, c'était le fun, c'était comme. Euh, puis c'est dans le même temps que l'omnium, justement, qu'on a décidé, OK, on, on fait de la musique, là. Fait que, euh, non, Vous que non c'était quatre faire une histoire courte au ouais. c'est ouais. blue devance code non c'est Oui exactement blue devance code puis euh, on était quatre puis c'était plus euh, metal rock metal mm -hmm. on sortait du secondaire puis euh, c'était comme euh, on était des chums hein, puis moi ben, j'avais du monde motivé à faire des jams puis à faire des shows fait que j'aimais moins le metal mais j'en écoutais puis j'étais quand même, je m'embarquais tu fait qu'on a commencé avec ça puis il euh, y avait un gars qui screamait on a est, on est déjà été cinq aussi pendant un bout ouais, vous aviez du scream dans Blue Devons Code ouais tu ouais ouais voir? ouais non, ouais d'un ouais, ouais. début début là c'était je faisais aucune c'est drôle parce que tu sais, je suis le chanteur tu sais, avec Velvet Black puis euh, même avec Blue Devons Code à la fin j'étais rendu le chanteur mais je faisais aucune vocale avant tu sais, c'était c'est vraiment jouer de la base puis, puis c'était ça tu sais <laughs> euh, j'allais ouais. dire pourquoi? Parce que tu chantes bien en Chris, là. Excusez, pour ça. aller, si aller va. voir ces trucs, là. Mais le gars, gros chanteur. Ben merci, merci. Euh, on essaye en tout cas, mais euh, non, c'est juste que quand on a commencé, c'était vraiment un hommage. J'étais avec Jesse et des gars de secondaire. Fait que c'était vraiment un hommage. Puis on faisait un tribute à Godsmack. Okay. Puis dans ce temps, puis là je chantais. Fait que là on faisait des tunes de Godsmack, puis je chantais. Puis à un moment donné, il y a un de mes guitaristes qui était dans, le B en fait qui était dans le Ben. Il, il s'est mis à, sa à savoir comment screamer. Fait que là les gars ils ont comme dit. Euh, puis j'étais pas là quand ils ont décidé ça. C'est ça qui est drôle. Il est mis <laughs> ouais. À il à avait savoir. dit. Euh, ouais. Ah G si, euh, il, il a déjà joué de la bass lui avant, tu sais, ou primaire puis tout. Il a déjà joué de la bass puis tout. Fait que euh, il chantera plus, Il va jouer de la bass Fait que là j'étais comme ok. Bon. Ouais. Je vais jouer de la bass tu sais. <laughs> fait que c'est pas vraiment un choix mais je suis retourné à la base puis avec le temps là on s'est mis à faire des compos qui étaient comme un peu euh, formule à the fire fait que euh, scream puis les chorus plus euh, mélodique fait que là j'embarquais pour les chorus les euh, les bridge puis tout ça fait que euh, c'est ça ça a commencé de même puis à un moment donné ben, je me suis mis à prendre plus de place au chant fait que ça a revenu de même tu sais avec euh, je pense que avec le temps euh, veux, veux, pas, tu en tant que musicien euh, là-dedans. Moi, je voulais, voulais faire euh, de quoi de plus accessible. Puis Jesse aussi. Fait que, fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu du changement de personnel, chang changé de drameur. On s'est ramassé trois aussi pendant un bout. Fait que euh, juste Jesse, euh, moi, puis JP. Euh, c'est là qu'on a décidé d'appeler ça Velvet Black dans le fond. Parce que ça, ça avait complètement changé. de. Là, as un peu, là, là, je trouve que tu vas trop vite, là. <laughs> Laisse-moi, ah moi, je chaud du, que... a... à à à du que... coq à l'homme, moi. Ouais. c'est ça, mais ouais. moi, je reviens à l'époque quand même quand a... j'ai commencé avec toi. Ouais. Ça, man, ça avait été justement le même direct que ça avait été le fun, puis là, notre premier vide-clip. Oui, ouais, bien, c'est ça, on avait fait... Euh, c'est comme euh... ça qu'on s'est connus, toi. Tu... En fait, tu partais euh, 35 000 mètres ouais, dans exact. ces années-là, fait que... Exact. Tu savais quel âge, à peu près, pour elle, dans ce temps-là? On dirait que la timeline est dure pour moi à suivre, vu qu'on est arrivé. Elle est dure après. même pour moi. Ouais. <laughs> Honnêtement, là, Alexis, je te le dis, j'ai l'impression que tout fait deux ans, trois ans dans ma tête. Fait que... ben, regarde, moi, la business, ça fait huit euh, ans. Ça fait un sept-huit ans. Non, huit euh, ans. Euh, ouais. après moi, ça fait peut-être dix ans. Neuf ans, ouais, c'est ouais, pas dix. La c'était huit ans, mais moi, c'est en fait, j'ai commencé la prod vidéo de même avec euh, vidéo, genre par rapport avec mon ancienne job pour Partez de Noël, ouais. mais après c'est ah, ça, Photoshop ben ouais. à cause que je travaillais avec Mathieu, un de vos anciens Ouais, Oui, euh, qui était notre guitariste, moi. Puis là, ben, j'ai fait votre premier vidéoclip ouais. avec mon ancien hein? partenaire. Ouais. Euh, C'était-tu PhD le premier? ouais. Oui, je pense que oui. Ben, en fait, c'est le premier d'une longue Ward. séquence. Oui, c'est vrai, avec Mike Ward, c'était cool. Hein? Ouais. Ah, même, Il était venu Mike faire ouais. un petit caméo dans un intro. Nous autres, je ne sais pas pourquoi, on est vraiment... Euh, souvent qu'on fait des clips, puis on a fait beaucoup de clips avec vous autres, avec 35, justement, puis... C'est drôle parce qu'on a tout le temps aimé ça faire des intros il euh, y a tout le temps une intro de souvent là, une intro de 15 secondes une intro d'une minute une minute deux minutes je ne sais pas on dirait que comme un aspect cinéma, cinématographique que je trouve cool là dedans ouais, c'est toujours ça qu'on a aimé faire aussi là d'avoir ouais. une intro là, mais après ça ça avait été ouais. que le next door c est c est moi, ça, ça veut-tu dire que intro. tu veux que je mette un intro là, là ou euh... non parce que j'ai pas les vieux clips euh, ben <laughs> dans en tout cas dans vos nouvelles tunes dans la banque, euh, ben, ça, 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 mademoiselle de... commence par un intro il y a going out of business une intro, sinon Kent euh, Live aussi. Oui, Kent Moi Pratiquement tout. tout. tout euh, ça venait un peu de qui, ça, le, le côté cinématographique d'avoir des intros? C'est-tu quelque chose que Velvet voulait apporter à l'image ou c'est justement avoir ouais. la connexion avec Frank et, quand on se lance dans un gros clip, Est ce serait hot d'avoir un, un short movie un peu dans votre, euh, dans votre clip. Tu sais, l'idée originale d'avoir ouais, ouais, ouais. cette touche-là venait de, de qui? Là. Excellente question, mon gars. Ouais, ouais, J'avoue, Chris, je suis surpris. Antoine, il parle pas souvent, mais il, il parle, paf! Mais euh, non, mais euh, sans joke, je pense que c'était un peu des deux parties. Je pense que c'était les ambitions de 35 000 sais, Frank et tout, de, de, de rendre ça cinématographique. Puis nous autres aussi, tu sais... Euh... Je, je sais pas. Euh, On a toujours tripé ces cinémas. Oui, vraiment. Puis même nous autres, en tant que musiciens, tu sais, euh, les films. De, tu sais, il y a comme un petit côté Tarantino. Il y a beaucoup de no-tunes. No je pense que ça pourrait ça pour être placé dans des pubs. Il y a beaucoup de placements de pubs que j'imagine avec beaucoup de nos tunes Fait que je sais pas, ça se fait comme naturellement. Regarde la caméra et euh... demande là, justement. <laughs> oui, cherchez. <laughs> S'il vous plaît. <rire> <beaucoup>. <rire> On vous attend. Mais. Euh, non, non c'est ce ça jeu. fait que je pense c'est vraiment les deux parties puis dans, quand, dans ces années là c'était encore rock metal pas mal tu d'un début fait que tu c'était très intense puis nous autres on écoutait Asking Alexandria dans ces années là fait que tu sais au niveau de la, des nerveux. clips puis de, de la musique il y avait de quoi de très cinématographique là dedans aussi qui est, qui nous interpellait beaucoup, tu sais, je sais pas, euh, ouais, fait que c'est sûr qu'on n'est pas des acteurs, là. fait qu'au niveau acting euh, dans le ben, y en a qui c'était plus euh, plus facile que d'autres de s'en sortir, là. <laughs> dont tu sais, je pense à Jesse. non mais tu <laughs> le gars il, fait, t'sais, il a fait des photoshoots, il aurait pu faire une carrière d'acteur s'il avait voulu, là. fait que, fait que non, mais en même temps c'est le fun parce que ça, te, ça permet de travailler ce côté là, là. tu sais c'est rare qu'on fait, tu sais, comme jouer de la musique, tu penses à ce que tu fais, mais c'est pas pareil, c'est pas le même. Ouais, non il y a ça, complètement ça. un autre délire entre le, oh. le live de on parlait de l'opinion du rock de, le délire live d'avoir la foule puis le mmh. rendu tout de suite mmh. versus hein, on fait la shot on fait la shot une demi journée de tournage pour mmh. après ça comme avoir c'est très virtuel mmh. mais des, des vues mettons versus le rendu du public exactement mettons je sais que c'est complètement pas la même affaire mettons non, non, non qu'est-ce qui te branche le plus? J'ai l'impression que tu fais de la musique probablement pour faire du live en jeu. Ouais, ouais, oui, 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 c'est clair. Clair, net et... Ouais, oui, oui, c'est sûr. Mais trouves tu sur, quand même une petite touche de, de quelque chose de plaisant? De... Doit... C'est différent, mais il y, y a quelque chose qui devait t'allumer aussi, leur faire un, un vidéoclip, clairement. Ouais, c'est avec... sûr, c'est sûr. Moi, c'est une, une branche qui m'allume vraiment beaucoup et que je que ne suis pas nécessairement à l'aise... Euh... Des fois, le, 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 le produit va, va donner vraiment un bon feeling, comme le gars il est à l'aise. Mais non, je euh, trouve ça dur de, de, de acter, mais c'est de quoi qu m que je trouve intéressant. Ça reste dans le milieu des arts. Comme moi, ce que j'aime aussi, qu'on fait des vidéoclips, c'est drôle. Parce que je pense que c'est une, une partie souvent que le monde n'aime pas nécessairement, mais les montages. J'aime ça être là euh, pour checker les montages Toujours là, où tu nous Oui, tout le vrai. temps là. C'est ça qui était ouais. le fun aussi du processus depuis le début. Ah, hey, ça a commencé dans tout ça chez mes parents. Man. Non, c'est vrai. Les boys, même venaient passer des heures des, des heures... Ils des ouais, ouais, non, ouais, ouais, non, 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 super fondus. Il y avait des petits de table de ping-pong. <laughs> mais, euh, tu sais, ouais. les gars, ils étaient tout le temps après... Euh, tu sais, viennent... moi, je commençais mon montage. Je le faisais comme je le voyais avec David, puis tout ça. Puis, à euh, un moment donné, les gars, ok, mais... Ben, il... On aimerait, savoir, là, on aimerait ça voir, on aimerait se donner notre point de vue, puis j'ai toujours été ouvert à faire ça Je ouais, pense même temps, que, pis... Ouais, pis vous nous laissiez l'opportunité de la faire, puis je pense que mon but, c'était pas d'être le gars tannant, le client tannant, qui veut tout checker, puis tout, ah non, non, c'était oh, comme... Oh, God damn, yeah, we know about ouais, this ouais, ben, <laughs> ça, Mais je voulais pas être ce genre de gars-là, ouais. c'est juste même si je disais rien, aussi, il y a de quoi que je trouvais cool, ou c'était plus au niveau des timings, souvent. Ah, tu as, as souvent mais, apporté euh... quand même des bons points, puis je pense que ouais. c'est ça qui a fait en sorte qu'on était capable de compléter le clip de la façon que moi je l'aimais, mais de la façon qu'elle, Ben l'aimait aussi. Moi, vraiment. Ben, ça effectivement, est... juste au niveau des timings, moi je suis pas musicien non plus. Là. Ouais. Tu sais, mm -hmm. Je n'ai pas l'oreille. Je commence à être pas quand même, là, tu sais, à mm -hmm. force de travailler avec des musiciens puis, puis d'avoir le studio aussi Mais forcément, j'ai pas ça que toi tu apportais. Non, non, clairement. Tu sais, c'est ça, chacun ses forces. Puis, euh, comme tu as dit, je pense que c'est justement euh, le fait qu'on pouvait être là et qu'on faisait du montage avec vous autres, je pense que ça donnait une. <coughs> vraiment, les couleurs de Velvet Black étaient vraiment imprégné dans le oh résultat ouais. parce qu'on voulait être partie prenante de ça. Pour nous autres, c'est notre bébé, ce projet-là. C'était vraiment important d'être involved là-dedans. Fait que euh, non. C'était vraiment euh, des belles expériences. Je pense qu'il va en avoir d'autres aussi. Pis... C'est ça c Dans, les, euh... Euh, dans, dans les, les plus vieux, mettons qu'on remonte pas dans, dans les trois derniers c'est T'as-tu un coup de cœur, un clip que. T'si... T'as plus trippé que nous autres. Euh... C'est dur. C'est dur. à Oui. Mais ils ont tous un, ouais. un petit quelque chose. C'était toutes des expériences hey, différentes. Ils on, ont fait arriver, euh... à un moment donné, dans un, un entrepôt à. Ah, vraiment loin. C'était loin. Hein, c'était <laughs> loin. Euh... loin. Euh... loin. Moi, je me plus du, du nom de la, de la, de la place, là, mais c'était vraiment loin. Tu sais que c'est puis... loin quand tu te souviens. Ah, puis on avait <laughs> un gros setup d'éclairage quand même. On avait tout le planning. Les gars, ils avaient leur rempli pour jouer quand même live. On branche tout ça, tout est allumé, man, Ça a pris comme cinq euh, minutes, man. Pouf, tout shot down. Man, <laughs> les breakers sautés, tout etc. Non, on en a une coupe d'histoire comme ça, euh, de... Mais on s'arrange tout le temps. C'est ça qui est beau, tu ouais, euh, es Autant, à euh, c'est euh, ouais, ça. Ben, ah. ça. Autant euh, à travailler ensemble que vous autres avec vos contrats, t'sais, euh, Même vous autres, euh, puis nous, euh, nous autres en tournée, c'est pas tout le temps idéal. Des, des fois, euh, c'est ça, mais c'est ah, l'expérience. Vous, vous savez pas, le si vous avez besoin d'un bon helper, C'est une euh... Le ouais, ouais. tournage, là. G est dévoué quand même, man. Hein. Fait... Non, mais tu quand même. Ben... Bon, en plus, là, je, je, je garde, va me chercher à 24 mm, tu vas savoir ça à quel. Mais ben, ça rejoint un ça... peu ce qu'Antoine ouais, qu tu disais. J'y prends vraiment goût. Mais mm -hmm. Oui, à la base, moi, ce que je suis, c'est un musicien. Je performe. Je suis un entertainer puis je joue live puis j'écris des tunes c'est ce que je fais mais tout ce qui touche l'art au niveau de la peinture dessin euh, faire de la vidéo être helpers j'y prends vra j'aime vraiment ça c'est de quoi qui m'intéresse beaucoup puis je pense que c'est de quoi que je connais pas parce que i guess que moi c'était de faire du live puis de faire de la tournée puis c'était vraiment mon projet mais avec ce qui se passe présentement puis ce qu'on vit on dirait que j'ai le goût d'apprendre d'autres sphères de, de l'univers artistique pis de, même euh, avec vous autres au niveau euh, des caméras tout ça mais même avec Antoine là. toi ça va Antoine on, on le voit pas là, oui, mais voilà. euh, je t'oublie pas petit <laughs> <que t'suis> coquin <laughs> mais euh, même avec Dieu. Antoine euh, au niveau euh, d'être engineer puis de faire du, monde, du mix puis de faire une balance de son. Tu sais, ça, c'est de quoi que, même si je suis musicien, je ne m'y connais pas là-dedans, tu comprends? Moi, c'est j'écris des, des riffs, j'écris des tunes, puis un peu au niveau des, des, des idées avec les clips, je pense que c'est un peu la même chose. C'est vraiment, oh, j'ai pensé à ça, j'ai cette idée-là, oh, pense, je pense que ça pourrait être cool, mais rendu à Colo, puis quelle caméra utiliser, puis euh, dans un studio, euh, oh, ben, t'sais, laisser la place, puis euh, aux guitares, ou euh, mettre de la faire-là. C'est vraiment un art. C'est vraiment un art. Ouais. c'est pour ça que je trouve ça le fun d'être avec des gens autour de moi qui sont vraiment compétents, puis qualifiés, comme vous autres. Antoine, ça me permet de... De voir ça, tu sais, puis d'en apprendre un peu en the side, tu sais. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est ça, ouais. ça qui est tellement cool de la place site aussi en même temps. Ouais, mm. mais tu sais, on, on, a, on a beaucoup l'impression, puis je pense que quand tu amènes la place ici, ça explique beaucoup ce truc-là aussi, c'est que. J'ai l'impression que pour la, le commun des mortels, genre, comme mixer une tonne, recorder une tonne, faire le clip, c'est tout, tout une job facile. T'sais. Ça va euh, prendre deux, trois minutes. Je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais, mais je suis vraiment un go old school t'sais, dans ma façon de penser. Jusqu'à temps qu'elle enlève les cabines téléphoniques, je me promenais avec des 25 cents dans les poches. Ah, hein. pis là, cinq ans, j'appelais ma <laughs> mon ex, ça m'avait donné un carton, puis j'allais l'appeler au, au dépanneur. C'était vraiment. Moi, c'était de faire de la tournée, dormir dans une vanne, tu comprends, mais je pense que ça, c'est. Tu sais, pour en revenir à ce que tu disais, à ce que tu disais je pense que c'est vraiment que l'ère où ce qu'on vit, que tu sais, tout le monde peut faire des, des trucs artistiques à partir d'un cellulaire, tout le monde, puis, puis là, je ne suis pas en train de, de lancer des pierres à ça parce que mm. justement, ça fait découvrir du monde vraiment artistique avec ça. C'est juste qu'il y a toujours deux, deux côtés à médaille, tu sais, comme on dit. Fait que, je pense que ça, c'est un peu le résultat d'avoir eu accès à beaucoup d'équipements, puis que tu peux te faire des, 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 des up des tonnes. N'importe quoi à partir de ton sous-sol ton avec l'équipement qui est, c est, c est, c est petit. Le, le oh. ah, Frank, qui, euh, euh, il est tellement euh, à l'aise. Il, euh, il aime tellement le podcast, il l'écoute en même <laughs> temps. Ouais, bah, je suis <laughs> tellement, tellement intéressant. <laughs> c'est ça. Fait que je trouve ça plate un peu ce côté-là. Parce que en étant old school, c'est de quoi que je maîtrise moins bien. Puis comme tu as dit tantôt, au niveau des vues, c'est important d'aller chercher les réseaux sociaux. C'est puis, euh, ouais, ouais. veut pas, tu sais, ça reste que c'est un show business puis c'est des business qu'on fait. fait que, oui, c'est le fun. Euh, moi, je un gars très artistique dans ma tête, mais tu sais, je me rends compte qu'il y en a tellement du monde bon puis talentueux dans la vie, mais ouais, des j's... meilleurs que moi. Puis pour en avoir vu, tu sais, à maintes et maintes reprises puis de tous les genres, mais c'est juste que c'est ça. À un moment donné, il faut que tu catches que... On... Ouais. C'est ça en ce moment, puis c'est de même que ça marche. C'est quand même bien que je, je, je serais boqué à me dire non, 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 ben je vais juste rester à faire de la musique, puis personne ne va savoir que, que je suis bon. T'sais. Mais, mais d'ailleurs, tu as, as abordé un point que j'aime beaucoup. Tu as dit les mots show et business comme séparés. Euh, parce que c'est vrai qu'ils sont ensemble, mais des fois ils sont séparés. Ben, tu as besoin des deux. Mais mettons, oui, euh, oui, effectivement. Mais je me demande. Sachant que vous avez, vous avez eu des, 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 des hits vous avez fait des trucs vous avez fait des clips vous avez fait des tours vous avez fait tu as touché à beaucoup de sphères euh, en fait du milieu artistique du show business pendant tout ça mettons euh, la covid <laughs> ça comment cheap shot oh non <laughs> ça on ne va pas non mais non mais fallait fallait qu'on l'aborde euh, fallait qu'on l'aborde la raison pourquoi euh, c'est parce que J'aimerais ça avoir le input de pas ce qu'on se fait dire sur les réseaux sociaux ou du moins là, ce que mon algorithme Facebook me dit. Je voudrais vraiment avoir le input de genre un musicien. Qu'est-ce que ça a fait, la COVID? ben je veux pas me porter porte-parole de tous les musiciens. Ce que je peux dire pour les musiciens qui travaillent avec moi, puis moi, c'est... Ça m'a... Je suis sais mon gars, <laughs> tu sais. Puis je vais le dire de même, tu comprends. Ça a été un long processus, puis le processus il continue. Là, là, de ce temps-ci, je suis dans l'acceptance plus, là. OK mais euh, non beaucoup de beaucoup de hargne beaucoup de colère beaucoup de j'ai l'impression de m'être fait voler un peu tu sais ma vie si tu veux parce que moi avant de faire ça à temps plein je travaillais dans un resto ou dans un bar puis tu sais je faisais mon argent comme ça à temps partiel puis je partais le reste du temps faire des corpos dans un bar avec euh, ou sinon, je suis en tournée, tu sais, ou d'un studio. Mais là, c'est que rien de tout ça n'est possible. Fait que... Puis en plus, c'est arrivé un timing. Euh, nous autres, je faisais à ce moment-là, on venait de finir de faire du studio avec Velvet Black, parce qu'on fait un nouveau EP qui va sortir en 2021. Mm -hmm. Puis euh, je faisais beaucoup de tournées avec Rick. Fait que, tu sais, c'était Rick Pagano, là, en fait. Là, tu sais, je, je, je le disais de même, mais euh, c'est ça. Après qu'il avait fait la voix, nous autres, on, a, on, avait, on était ces musiciens de scène. Fait qu'on a fait beaucoup de shows, beaucoup de tournées. J'étais tout le temps sur la route, ça allait bien. Je faisais des corpos d'un bord avec Jesse beaucoup. Fait que euh, fait que c'est ça, tu sais, moi, depuis un an, je pouvais avoir à lâcher le temps partiel puis vraiment comme, OK, là, ça roule. Puis, tu sais, c'était une centaine de shows de cancellés, nous autres. C'est la saison des festivals qui s'en venait. Euh, même avec le EP qu'on a fait, euh, je veux dire la, la, quelle réception qu'on va avoir, je veux dire au niveau timing puis marketing, ça change tes plans complètement de ce qui se passe. Fait que ouais, ça a été beaucoup à gérer en même temps. Puis au début, j'étais ah oh, ça, ça va, comme tout le monde, là, ça va t'offrir un mois, semaines. un <laughs> mois, deux, deux mois. On, ils vont repousser les shows. ce qu'ils ont fait, ils ont repoussé les shows, mais c'était, tu sais, à un moment donné, ça allait venir à évidence. Puis moi, ce, que, ce qui me fait peur, c'est que, tu sais, je ne sais pas plus. Tu sais, j'ai aucune idée de ce qui va se passer avec ça. T'sais. on est dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui s'en vient. fait que C'est beaucoup stressant. Tu il y a le côté monétaire, mais, le, le, le côté, nous autres, c'est comme on disait, ça fait dix ans qu'on fait ça, puis que... On, on travaille pour aller vers ça, tu puis que là, nos affaires marchent bien, puis qu'on a, on a réussi à se faire des contacts, on a réussi à... Puis que là, ça arrive, c'est comme, moi. Ouais, c'est très frustrant. Fait que, non, c'est plein de gammes d'émotions, tu sais. Euh, Mais je voulais, été, pas te, euh... je voulais pas te piquer avec cette question -là. Non, du tout. Non, Mais... puis j'en parle, comme ouais. je te dis, je suis vraiment rendu dans l'acceptance. Ce qui fait que là, là ça va bien, tu sais. Parce qu'à un moment donné, c'est comme, j'ai beau être euh, en colère, tu sais. C'est juste, euh, c'est pour le monde autour de moi, tu sais. Euh, puis moi, j'ai pas pris la PCU, j'ai commencé à travailler avec ma mère. Euh... Je l'ai su, là, quand je l'ai su, j'étais dans un restaurant en train de déjeuner à Brossard. J'étais en chaud cette fin de semaine-là. Puis là, il y a eu comme la conférence de la presse. c'était vraiment bizarre parce que tout le monde, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le resto. Le monde avait commencé déjà à avoir peur. Ouais. On se rappelle tous ce qu'on était. Hein? Ouais, C'est comme cool. le, la dernière fois que ça m'a fait de quoi de même, c'était le 9-11. Ah ouais. Tu sais, des genres d'événements, même que ça. tu sais exactement étais où et quand. quand Puis ouais. Au resto, on était 4-5 clients. Puis là, à un moment donné, les cuisiniers sont sortis, tout le staff s'est reviré vers la TV, les cinq clients ont regardé la TV, t'sais, ils ont fermé la musique, ils ont tout arrêté, puis on a regardé la TV, tout le monde. C'est comme « Bon, ben Chris, euh... ouais, ouais. on retourne à la maison. » Fait que euh, ouais, non, c'est ça. Revenu, non? non, ben, tu on s'attend jamais à ça. Puis je pense que dans nos générations, puis la... la génération de nos parents, on n'avait pas vraiment vécu de grosses affaires de même. Tu sais, T'sais, dernier, gros, euh, grosse affaire, vraiment, vraiment, Deuxième Guerre mondiale en 1945. Sinon, euh, il y a eu d'autres tragédies, on s'entend, c'est pas ça que je dis, mais vraiment mondial comme que c'est. Puis c'est ça, il n'y a pas de guerre, mais je pense que c'est dur. Euh... Au début, je le prenais dur sur moi-même, puis là, je trouve ça dur pour le. On dirait que ça m'a comme socialisé à penser au, au monde autour de moi. un peu. Je travaille dans une résidence de personnes âgées, au salaire minimum. Là. Fait que, mais, tu ouais. je leur parle, puis, tu sais, euh, je les fais rire. Puis, ça doit pas être évident, man. T'sais. Vraiment ouais, pas évident. C'est pour ça. Le milieu euh, concerné. Oui, ouais, 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 mais nous autres, es, c'est pas dans un CHSLD. Hein. C'est vraiment... C'est une résidence euh, privée. Fait que, puis il n'y a pas eu de cas de COVID. On fait vraiment attention. Il n'y a pas beaucoup de staff, tu sais. Puis euh, moi, c'était ça. Fait que je suis revenu le dimanche, là, puis maman, je savais qu'elle était dans... Dans, dans le trou, avait besoin de staff. J'ai appelé ma mère sa route en revenant vers, vers Québec. Je lui dit, hey, je commence à travailler pour toi le temps que ça passe. Ben, après ça, travail. C'était comme, ben là, je ne prendrais pas PCU. Travailler, puis même, même l'avoir pris, je me connais. J'aurais été chez nous à boire en bobette. Hein, <laughs> le bras babette. C'est de la faute à lui et à l'autre. Non, c'est ça. Euh, J'ai beaucoup de peine. Ça me brise. C'est vraiment ça. C'est passé par la colère avec mes projets, ma carrière à m'en dire que là, ben, gars, tu sais, moi, je suis dans une situation que je vais attendre de toute façon. Je vais attendre, puis euh, parce que c'est ça que je fais dans la vie, je suis un musicien, fait, je vais attendre puis je vais voir. Puis là, vous avez fini en hein, plus, pris le temps de finir. Ouais. votre, votre, votre EP, Ouais, là. mais c'est ça, on attend, on est prudent, puis euh, on va quand même essayer de faire un plan un marketing qui a de l'allure, tu sais. C'est justement ça nous a permis de, de mettre ça sur hold. Des fois, la vie, tu sais, quand, quand tu cours, tu cours, tu cours. Euh... Le pays, était tu écrit avant Nous de la autres, pandémie? on a fini Ou? le Dernière fin de semaine de février, première pr fin de semaine de mars, puis après ça, euh, mi-mars, le 16 mars, c'était arrivé. le recording était déjà fini. On venait là. de finir deux semaines avant, deux semaines et demie avant, trois semaines. Fait que nous autres, on n'avait aucunement, tu sais, cette EP-là n'a pas été faite avec, euh, avec ça. Tu il a vraiment été fait dans un monde comme il était, avec nos idées, nos «thoughts». Puis comment ça se passait pour nous autres, puis on roulait à, à fond la caisse, tu sais, fait que. Je me demande, tu sais, pensez-vous mm. le, le release pareil, parce que je vois beaucoup de Maurice qui dit, ah, je ferai pas mon stock parce que ça sera plus d'actualité ou quelque chose de genre, ou vous étiez tellement dans un autre mindset que. Euh, pour la scène, genre, c'est quelque chose qui vous représenterait plus. Mettons qu'on parle d'ici un an que ça va recommencer peut-être les spectacles à capacité mmh. réduite et compagnie. Mmh. C'est quoi que c'est sur la glace, on verra. C'est quoi qui est déjà ah, quoi qu'on va dire au contraire on, on va le release parce qu'on sait qu'on a travaillé fort pour ça, a juste comme pas à donner. Ben c'est sûr que c'est sûr que on aurait pu changer parce que contrairement aux humoristes, c'est que les humoristes, c'est beaucoup euh, de sujets d'actualité. Souvent, c'est ce qui se passe en vie et ce qui se passe euh, en ce moment. fait que Je pense qu'il y a du stock, euh, oui, euh, qui sera plus euh, faisable pour eux autres. Tandis qu'en musique, surtout nous autres, là, comme Velvet Black, euh, nos textes sont beaucoup euh, par rapport aux relations interpersonnelles, sont beaucoup, euh, c'est ça, t'sais, euh, aux idées, aux comment, comment on se sent, t'sais. Fait que Je pense que ça... Ça euh, ça change pas pour ça nous être autres au ça va exactement sais parce que on n'est on, on pas dans la politique on n'est pas dans, dans sais on n'est pas un ben vraiment engagé euh, sur l'environnement <laughs> ou quoi que ce soit sais puis' pas pas que je trouve pas ça important c'est juste que je voulais pas nécessairement être la personne qui représente ça puis qui ben, je fais ma part mais pas assez pour sentir que je peux passer un message avec ça t'sais. moi c'est plus euh, des, des états d'âme, des choses comme ça. Fait que oui, euh, je pense que ça va être encore d'actualité puis peut-être encore plus parce qu'on a une petite touche très deep, euh, dark. Euh. C'est quand même dark, c'est tout le temps un peu euh, happy, mais euh, c'est ça, c'est tout le temps euh, en mineur, souvent les gammes utilisées mineure. le nom je euh... pense. Velvet Black, je sais pas si ça... Ben, je ne sais pas si c'était ça votre intention, du moins, mais Velvet Black en tout cas, la relation des deux mots ensemble fait que te, tu, ouais. tu sens un peu cette. Cette ouais. contradiction-là entre les deux trucs en même temps, ouais, une ouais. certaine dualité, puis même que ça me donne plus le goût d'entendre votre EP, sachant qu'il n'a pas été traqué dans le contexte de la pandémie, parce qu'on dirait que je suis tellement fucking écœuré <laughs> d'entendre parler de ça. Puis il fallait que je pose la question parce que c'est un, un pilote, puis tu es un musicien, puis tout, puis il veut pas, c'est les milieux les plus touchés. Mm -hmm. Si on avait eu un restaurateur, on aurait parlé for sure aussi. T'sais. Non, non, c'est clair, puis je pense que c'est normal qu'on en parle, c'est de quoi qui touche, c'est de quoi de gros, c'est de quoi qui touche tout le monde. Puis comme j'ai dit ça ne m'a pas rendu mal à l'aise du tout euh, peut-être juste que v'là trois mois j'aurais peut-être été, été plus passif agressif tu comprends ouais. tandis que là, <laughs> là il je il met un mais, peu de <laughs> du vent en feu mais parce que euh, moi j'ai passé par une séparation aussi euh, oh, shit, dans l'année avant fait que, euh, puis j'avais eu le temps de faire mon deuil de ça c'était bien correct on s'entend super bien ça s'est bien fait mais on dirait que j'étais tout le temps tout le temps ça route tout le temps parti ça allait tellement vite que quand je suis ar arrivé chez nous dans le covid à rien faire puis je suis retourné chez ma mère en plus fait que là j'étais comme oh shit j'ai le temps de penser à ça fait que ça m'a rattrapé la carrière puis tout puis euh, accumulation euh, au final. Oui, ouais. mais tu sais à un moment donné c'est comme on est tous là-dedans puis je me considère chanceux justement de, de ma mère m'a faire une chance en or de m'arriver de bord avec les circonstances avant puis qui ont fait que là durant le covid euh, non je suis vraiment chanceux tu sais puis euh, j'ai pas à me plaindre puis c'est pour ça je suis vraiment euh, je suis dans l'acceptance tu sais euh, je suis comme il n'y a rien que je peux faire tu fait que je vais continuer à écrire des tournes. j'en écris en français puis vois-tu j'ai pas l'intention d'en parler du covid parfait puis ben tu il va peut-être avoir un petit clin d'œil ou de quoi à un moment donné tu sais ou mais ça sera jamais, jamais. Euh, j'ai pas envie. J'ai pas envie de ça. T'sais, même les on lives. On peut juste tout mettre ça en arrière de nous autres aussi, à un moment donné. Ah, exact. Ouais. Mais tu sais, on, on, on le deal tout à notre façon. C'est juste que j'ai le petit. Moi, je suis un gars très proche de mes émotions. fait que Ça me brise le cœur de voir le monde euh, beaucoup de haine. tu sais hein. Peu importe ouais. ce que tu en penses. T'sais. Puis vois-tu, tu, tu m'as demandé. Puis je t'ai vraiment dit, moi, ce qui en était avec mon mental. Je t'ai même pas dit. Euh, j'ai même pas le goût d'embarquer dans l'histoire euh, de quel bord. Ouais, puis non, ça, ça m'a fait tellement de la peine. Ben, je suis comme, Chris, la seule chose qui nous reste, guys, c'est nous autres, de se tenir entre nous autres. Puis de... Fait que, ouais, c'est ça. Vu que je suis proche de mes émotions, c'est ça. Ça me fait beaucoup de peine. puis je pense que je suis plus euh, de, de, dans le mode de ce temps Faire sourire le monde, puis d'être agréable. Puis j'écris des tunes. Tu sais, j'en écris en français, j'en écris en anglais, je pratique mes affaires. puis... Mais je... ça, ouais, que, ben, il a dit anglais. Toi, quand tu l'as connu, est-ce que tu écrivais juste en anglais? Ouais, ouais. Puis là, t'es rendu en franco? Euh, ben, en fait, euh, je fais une couple d'années on a commencé à faire des tunes un peu en... Avec Velvet Black, on veut vraiment garder ça en anglo. OK. Puis. Euh c'est pas tu sais je veux dire je pense que j'ai un bon français écrit je suis capable de bien m'exprimer en français j'adore le français tu sais mais nous autres c'est juste qu'on avait l'ambition de, de, de voyager à travers le monde avec ça puis de, de reach le plus de monde possible avec ça ben, c'est ça j'allais dire aussi si tu veux spinner sur les radios québécoises il faut que tu en écrives en français faut que en écrives ouais. un peu, ce qu'on a fait un moment le choix, donné là, quand même aussi, le fait. ben d'où le show business tu sais ouais. mais, okay, mais euh, fait qu'on l'a fait sauf que la première expérience qu'on a faite, c'était « Everything is alright ». Puis c'est moi qui l'ai sortie, cette toune-là. Puis je ne sais pas pourquoi, 35 minutes, paf, j'avais toute la tune. Hey man, elle était excellente, cette ben Merci, plus, merci. C'était vraiment bonne. Là. Puis vois-tu, quand je l'ai sortie, je l'ai sortie en franc-anglais. Puis elle, on l'a switché en anglais après. Fait que c'était déjà ça qui était fait. Okay, je m'attendais pas à ce... Normalement, ouais. c'est genre, ils sortent en anglais, puis après, ils font, « Ah, oh, on va faire une version pour juste français plus, ouais. pour spinner, tu sais. » Non, nous autres, ce qu'on qu voulait... Le clip, le clip était sorti, puis la version anglaise, full ouais. anglaise, ouais. pas Non, mais dans le fond, c'est parce que nous autres, ce, qu on a... ce qui est arrivé, on, on s'en allait en studio pour faire un album. Puis, euh, j'avais sorti cette tune là puis j'ai dit au gars, je disais, « les boys, j'ai écrit une tune ça m'a pris 45 minutes, puis je dis, le chorus, là, and i feel like everything is all right that's it la tounes, minutes, fuck everything you. is all right <rire> <T'sais>. <rire> oh ouais. c'est exactement ce que les gars m'ont répondu <laughs> puis euh, tu sais puis j'étais comme des fois tu essaies de te conseiller j'étais comme non puis c'était c'était même sa sortie. puis c'était dans les, les... comment je me sentais il y avait un peu d'ironie puis de sarcasme là-dedans tu sais tu sais euh, euh, tu parles de français anglais compagnie peut-être que le français ne colle pas à velvet Travailleur de l'ombre avec justement ce qu'on euh, qu parle avec euh, la pandémie et compagnie, d'écrire pour quelqu'un, c'est quoi qui t'intéresserait ou c'est quelque chose que, ah merde, je donne un peu mon produit à quelqu'un d'autre que j'aurais pu faire Non, ouais, du tout. C'est déjà fait, C'est um... quelque chose que tu as pensé envisager justement comme travailleur de l'ombre ouais. pour quelque chose, pour quelqu'un C'est de quoi que j'ai jamais fait euh, écrire. Mettons, tu sais, avec Rick, c'était assez tunes, mais t'sais, souvent, il n'y avait pas de parts de base où j'avais la liberté d'écrire mes parts. Où, tu sais d'apporter une coupe d'idées fait que ça je trouvais ça le fun euh, pour ce qui est de vraiment écrire être auteur ou compositeur sur une toune, non puis euh, ouais je suis vraiment down je suis vraiment down c'est de quoi qui m'intéresse vraiment beaucoup puis je pense que tu sais il y a des tunes puis euh, tu sais je pense à Jesse aussi qui est dans mon band tu sais il écrit beaucoup de tunes puis euh si la tourne elle fit pas avec Velvet Black. Euh, ça fait peut pour quelqu'un C'est pas parce qu'elle que fit pas avec moi. c'est Exact, mm. Une bonne idée, une bonne tourne. Puis si ça fit pas ou je la file pas, ben s'il y a quelqu'un qui veut l'apprendre ou il euh, y a quelqu'un qui, qui vient m'aborder, je vais être honoré de, de, de pouvoir écrire avec cette personne-là parce que je ne considère pas que je, je suis un prodige. Ouais, mais j'aime ben, ça. ça. Moi je dirais <laughs> que oui. Ben, oui. moi aussi. Je ne me considère pas, pas au-dessus de mes affaires, mais je vais tout le temps être partant pour. Mais vous avez euh, fait un processus euh, aussi d'aller écrire avec des gens à Montréal aussi. Oui, ouais, euh, mais eux autres, c'est le les producteurs. Peu, ouais c'est ça, ouais exactement. Ah. Puis même moi, pour mon stock en français, j'ai l'intention d'écrire de, avec des writers, autant au niveau des textes que les mélodies. Puis ce n'est pas parce que j'ai le goût d'être là. Puis si, si quelqu'un m'écrit un texte, puis j'ai le goût de changer une ligne, je vais le faire. Mais non. Euh, je trouve que. Ça peut qu'être bon pour la, la toune d'avoir le plus de monde possible. Parce que nous autres, on se l'est fait. Puis justement nos producteurs à Montréal, ils nous disaient Tu sais, c'est quoi vous faites, les boys en vie, vous autres Mais ben, on est musiciens. Ouais, mais encore, ben, on écrit de la musique. Ça fait que, dans le fond, on, fait des, on écrit des chansons. C'est ça notre job. fait que tu as beau être musicien, mais tu sais, il faut que tu penses à la toune. Tu sais, ton job, c'est de, 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 de créer une chanson puis d'apporter de, 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 à la chanson ce qu'elle a de besoin. Tu plus que ce que tes envies veulent des fois, tu Ah ben écris, j'aurais pu faire un solo ou amener une petite pause. Fait que ouais Fait que non, pour revenir à la question, je serais vraiment down, Puis, j'ai l'intention de collaborer avec des gens. Fait que ouais, plein de plugs. Les boys, ils avaient besoin d'un helper, je suis là. Placement de tourne, de pub. puis oui, Kevin continue comme ça. Je vais continuer. Bon, on va continuer, Kevin. Fait euh, que, ouais, euh, ouais je... si tu veux écrire une tourne, tu cherches quelqu'un à écrire ta tourne, euh, Ben. Qu'est-ce qu'il vend à sa maison en plus, je en Kevin Je sais pas pourquoi j'ai vu ça sur Facebook. <laughs> Genre, ça, ouais, 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 la maison de Kevin continue comme ça à vendre si jamais tu le cherches prix... un repère à Le <laughs> prix doit être ahurissant. <laughs> tu sais, c'est comme. Le prix est gonflé parce que. Non, mais savais-tu qui habite ouais, ici <laughs> C'est juste le spa est 200 000. <laughs> savais-tu qui était ici avant toi Le spa euh, Kevin. Incontournable mais euh, même euh, Chris euh, on, on a plein de médias en fait à, à, à montrer euh, de, de toi de Velvet et tout euh, puis tu ben sais tout à l'heure tu parlais genre euh, tu sais c'est différent faire un clip faire un studio faire du studio puis faire un show <laughs> mais euh, tu sais juste un des je trouve un des highlights quand même que vous avez ouvert pour Brian Adams ouais. au festival ça ça a dû être un un triple quand même. Ça a dû être assez ouais. impressionnant d'être euh, sur une scène, là, tu sais, là, qu'on va avoir euh, une photo, là, que, ben, C'est de des beaux petits gars, ça. Ouais, ça, c'est toi euh, avec euh, beaucoup de monde. Ouais, ouais. Une foule <laughs> au-dessus de 50 000, ouais. Non, ça, ça a été... C'est sûr, c'est le highlight d'une carrière pour l'instant, puis... C'est pas triste parce que j'ai eu la chance d'être là, mais tu comprends que moi, ce que je veux, c'est être là toutes les soirs. T'sais. Fait que le but, c'est de, de, de réussir à se rendre Puis tu sais, je dis ça, mais je veux dire, moi, si je peux faire des, des petits bars de 75 personnes remplies avec du monde qui achète mes billets, je vais le faire. Mais ça, cette expérience-là, je veux dire, c'est. Non, non c'est vraiment. C'était vraiment incroyable. Pis... Je vous le dis, les gars, ça a tellement passé vite, là. Comme j'ai l'impression que ça a été cinq minutes. Ah, cinq minutes. Puis euh, on a eu la chance d'aller le voir après. Fait que non, super là. de bon gars. Ouais. Euh, ouais. C'est euh, Matt uh, live. Uh, My dad, fait que euh, ouais. Fait que ça, non, c'était le. Ça va le être peut-être mais... les prochaines fois. T'sais, d être, d être, d être, <laughs> euh d'être à rive sud à Lévis. puis euh, le festival d'ailleurs moi j'ai retourné avec Rick puis j'ai été en solo aussi acoustique puis c'est super belle organisation on est tout le temps bien accueillis c'est le fun euh, on a pogné du beau temps quand y était fait que non c'est sûr que de loin puis d'avoir la chance de vivre ça je veux dire euh, Brian Adams c'est scolisme man tu comprends ah, quand t'es discuté tu veux dire c'est un, 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 une réalisation dans une carrière pis, mais à un moment donné, c'est fait, puis je, je, je l'oublierai jamais, puis j'ai plané sur, sur le vibe, mais je peux pas, je peux... Tu sais, on est rendu à d'autres choses, puis là, ça prend d'autres choses, puis tu je focus déjà sur ce qui s'en vient. Mais euh, ouais, c'est sûr que de, de repenser à ça avec vous autres, gamin euh, c'est incroyable, c'est vraiment le fun. en plus, alors qu'on jouait... Tu sais, t'avais comme une, euh, une grande roue, t'avais plein de, de, de Montgolfières dans le fond, il y avait du monde. C'était tard, c'était le headline ou c'était. Euh, Brian Adams, ouais. ça, ouais. Ouais, Vervet. Ouais, pis nous autres, on Non, bruit. non, mais je mais. C'était mais... mais... <laughs> <jouait un rire> <rond> de... <laughs> Brian, Brian Adams qui ouvrait pour Brian Adams <laughs> qui ben <laughs> <il rire> ouvrait pour nous autres. Chris, vous êtes bien pluggés, ben... les boys. <rire> <rire> non, mais euh, c'était. T'sais, on a ouvert, puis euh, je vous conterai une anecdote là-dessus aussi qu'on s'est planté par rapport à ça, parce que c'est de l'expérience d'être de, de, dans des grosses productions de même avec. C'est rodé au corps de tour, mon gars. C'est comme, t'es es rien, toi. là tu arrives tu fais tes petites affaires, puis euh, t'as 15 minutes, t'as 15 minutes, puis t'as 30 minutes, t'as 30 minutes, là, pas une de plus. Fait que. Fait que Non, puis en même temps, d'avoir de, de, passé plein d'années, puis plein de questionnements, puis de, plein d'embûches à travers les années, tu sais, quand tu arrives à un bonbon de même, c'est comme, OK, genre, c'est pour ça ah, que je fais que ça. Parce que là, Ça, c'était un, un énorme show. Mais en ça n'en prend, temps, prend ça, ça en prend, Frank, tu sais, même non, toi dans ça, ta mais... carrière, ça te prend des, des petits bonbons, même, tu sais, Alexis aussi, ça vous prend des bonbons, puis ça nous prend des bonbons pour justement nous. Parce qu'on est. Tu peux pas faire. Carrière en art, peu importe vous autres, moi, peu importe euh, artistiquement là, parlant, tu peux pas être dans un milieu artistique si tu pas passionné. Non, clairement. <laughs> parce qu'on compte pas les heures. Puis sous-payé. Puis whatever. Tu comprends. Faut, faut que tu sois passionné parce que sinon tu lâches pis tu fais d'autres choses. Moi, ça m'amène à votre tour boss rouge. Tourner aux États-Unis, tout ça, là. je veux dire, euh, ça a été euh, toute une expérience, puis ce pas le même genre de show non plus que d'ouvrir pour euh, Brian Adams. Ça devait pas être toujours facile non plus, genre... Euh... Non, 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 clairement pas. Okay. Mais c'était quand Mais même... Vous avez, quand... vous avez joué quand même pour des gros bands aussi aux États-Unis, Oui, ben nous autres, on, on a fait... Euh, oui, on a joué avec euh, Crucified Barbara C'est un band, euh, c'est des Suédois, c'est quatre filles, c'est heavy Metall, c'est... C'est vraiment une scène. Les filles sont talentueuses. Puis on a joué avec Girls School, qui est le plus vieux band de rock féminin. Euh, c'était dans les mêmes années que Motherhead puis tout ça. Là. Ça brassait hein, et tout. Tu les, sais, les madame, avait 50 ans, ils arrivaient avec leur jaquette de cuir puis tout. les <laughs> cheveux crêpés. C'est comme all right! Fait que non, c'était quand même des bonnes conditions. Dans ce temps-là, on était à, On avait du management à eux. C'est justement là-bas qu'on a. Ouais, Petit détail que tu slides sous le tapis. Moi <laughs> Moi je brague. <laughs> Moi je suis chill. Non, mais ouais, ben, c'est ça. C'est juste que euh, une tournée en emmène une autre, un contact en emmène un autre. Puis Jesse, dans ces années-là, il faisait beaucoup de PR puis s'occupait beaucoup de, du management du band. C'est lui qui a travaillé vraiment fort là-dessus. Puis il nous avait trouvé. Euh, on avait été faire euh, le Canadian Music Week à Toronto. Oh shit. Ouais, vraiment. Puis. Euh, on avait rencontré un Ben Old James euh, de Ottawa Toronto les gars tu sais des gars talentueux super nice super sweet puis on avait joué là avec eux autres puis on, on parlait tu sais après les shows ben tu parles, prends une bière tu jases. puis euh, il nous disait oh, on vient d'être signé à lui puis tout fait que Jess, ben il avait été checké tu sais puis il avait envoyé un, un email au gars puis euh, le gars nous avait répondu fait que nous a pris sur management puis tout fait que nous autres il nous a dit gars euh, venez à Los Angeles euh, deux semaines, je vais vous faire faire des showcases on... Fait qu'on est partis les gars du Ben en avion, on est allé là-bas deux semaines, on fait des meetings avec pis tout. On... C'était encore Blue Code dans ce temps-là. Puis là, on a décidé d'appeler ça Velvet Black. Puis euh, je trouvais ça cool tantôt que tu dises euh, ah, le petit côté justement Dark, euh, sais le velours noir. Puis c'était un ouais. peu ça qu'on recherchait parce qu'on savait pas encore le nom qu'on voulait. <laughs> on savait juste que on voulait de quoi de nouveau parce que c'était vraiment tellement rendu différent on était trop au lieu d'être quatre fait qu'on s'est dit ah oh, ben là ça nous puis lui, lui, le gars il nous disait ben tu sais vous avez changé euh, c'est mature euh, ça vous prend un autre brand puis tout fait que euh, puis Blue Code euh, il tripait pas sur le nom tu sais Vous aviez quel âge quand vous avez établi Blue Code versus um, J'avais 25 là j'ai 30 fait que ça fait 5 6 ans 4 5 6 ans que vous avez changé de nom ouais okay, que cool. ça s'est fait qu'on était signé puis je pense que c'est un bon point dans une vie. Oui, puis ou... c'est drôle comment c'est arrivé. On est allé, euh, tu sais, on était allé deux semaines, on avait des, des showcases, on en avait quatre. Trois, quatre. Fait que, tu sais, cal 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 calcule ça comme tu veux. 14 jours, moins quatre jours, il reste dix jours pour te péter à la face. Yeah. Sur ça, je vais me faire un autre Non, veilleux. mais tu avec les gars de ton ben, tu sais, une gang de rockers de 25 ans à Los Angeles. C'est comme, gamin, yeah, je m'en vais ça se strip puis je me défonce. Tu sais, je merci Antoine. Exact, ouais, exact. C'est ça qui est arrivé une genre de soirée comme ça, on est allé dans euh, au Roxy, puis euh, on s'est arraché la tête, man. Arraché la tête, les gars. Puis là, on, hey, on est sorti dehors. Moi, je dormais dans un abribus comme ça, tout décalé, avec ah. ma cigarette. Je me réveille, J.P. Il est bien sous. Il met le feu à un palmier, man. Euh, on était dé... Oh, ouais. <laughs> là, on revient à l'hôtel, puis tu sais, en tout cas, je veux pas rentrer dans les détails, mais... On a trouvé des, des, des petites affaires le fun à Los Angeles. <laughs> fait on n'a on pas dormi de la nuit, moi et Jesse. Euh, on ne sait pas c'est ce qu quoi qu'on a pris, mais j ai, j ai, je pensais mourir le lendemain. Je pensais mourir. Pis... C'était-tu bon. veille de chaud ou euh, non. vous avez pris la journée pour non dire Non, que non, euh, euh, non, non. On avait quand même une tête, un peu, même si on n'en non pas. <laughs> okay. En fait, on avait un meeting avec notre manager le lendemain. Mais tu sais, on s'est dit, oh, un meeting en après-midi, on va un aller meeting. au bar, ça a viré. Puis il y a du monde de l'auberge de jeunesse. Nous autres, on était, c'était la fin de la, la semaine qu'on était là, c'était les Oscars. Ah, puis on était sur Hollywood Boulevard, fait que le tapis rouge, puis le Dolby ouais. Surround, euh, euh, le, le Dolby, man. Euh, oh, merci. Merci Antoine. Le Dolby Theater, il était à une minute de nous autres. Fait que, man, tu avais le tapis rouge devant notre hostel. On était comme « What the fuck, le tapis rouge? » Puis cette année-là, c'était bizarre parce qu'il y a mouillé, fait que c'était un peu plus dole, là, mais... Fait qu'on était là, tu sais, gros happening, puis euh, du monde du, de l'auberge qui vient avec nous autres, on s'en va s'arracher, puis le lendemain, on était complètement explosés, puis là... Euh, J'avais la toune d'Alanis Morissette qui me jouait dans la tête, man. Puis là, on cherchait de quoi, tu de plus blues, euh, sexy, tu de... Je sais comment, hey, man. Tu Black Velvet », ça serait malade, tu sais... T'as le drink, euh, la toon, c'est black velvet, c'est velours, c'est noir, mm -hmm. c'est deep. T'sais. Fait qu'on avait emmené ça à notre manager, puis il nous avait dit ah, tu sais, je sais pas, black velvet, c'est trop commun, puis tout. Fait que là, on a dit oh, On va retrouver d'autres choses. T'sais. Virer les beaux Ben, <laughs> on a essayé de trouver d'autres choses, <laughs> mais moi, je trouvais ça vraiment cool. Puis ce qu'on s'est dit, nous autres, on est des, des francophones, qui Not fait real. du beat ah. en anglais. Ah, très fort. Fait que velours noir, ah. velvet black. Oh, fait qu'on oui, s'est dit c'est comme le clin d'œil, justement, des gars franco qui font de l'anglais. Puis ça fait comme... Euh... Les gars qui ne savent pas parler anglais. Les gars qui ne savent pas parler anglais. Non, non, c'est ça. Yes, no toaster. mais <laughs> Non, non, mais c'est ça. Fait que c'est parti d'être là. Ah, euh... Moi, ouais, gros lendemain, moi, ouais, c'est rare qu'on mm. qu sort ça des boulamites, là, mais ouais. gros... Euh... Ah, J'étais sûr d'aller à l'hôpital. Mais, euh, <laughs> mais on a trouvé le nom. On a trouvé le nom. Fait que le nom était... de l'hôpital ou du <laughs> L'hôpital s'appelait Velvet Black. Ouais. Euh, je vais être honnête. Ça vient de là, non? Ouais. Non, non, mais euh, c'est ça, ça vient de là. Fait que. Vous autres, ça se passe bien, les boys, je jase depuis tantôt, la Yel m'arrête. Non pas, mais là, même si chaque. À moi, j'adore ça, Chris. Jazzy de beat. Euh... Tu t'en ben ben, as fait ben, du beat aussi, Alexis, c'est ça? Ouais, c'est ben ça, Quand tu parlais de Scream tantôt. C'est parce que, ben, moi, en fait, je jouais de la guitare back then. T'étais puis... où? Je t'aurais pris dans mon ben. Ouais, man. Je sais pas en tête à mais je composais tout. Puis, euh, j'étais bon à guitare pro, dans le fond. Ouais. Fait que, euh, ben, 36, okay. c'était. Non, <laughs> mais c'est drôle parce que nous autres aussi, dans le temps qu'on était. Dans le temps qu'on était metal rock, là c'était ça, man. Guitare pro, puis... 5-6, 5-6 light. Guitare pro c'est une application de tablature. Fait que dans le fond, mettons, tu écrivais ton drum, tu écrivais les partitions, sauf qu'à la place, des, ben, tu pouvais les écrire avec les notes comme une vraie partition ou tu les écrivais avec des numéros. Fait que, mettons... Euh, ben, une ben c'est facile parce que mettons 5 c'est la fret 5 mais un, un drum mettons 36 c'est le kick, 38 c'est un snare, 43 c'est un crash, tu sais puis ah, ben, ça sonnait pis, le, le grandiose, c'est pas S grandiose. Tous les jeux de ah. Zelda ou de Game Boy genre <laughs> ouais, chaque fois bien. que je jouais une tune, je montrais ça à mes parents, je suis comme hey checkez, la petite la symphonie que je viens d'écrire, ils font ça sonne comme euh, Ocarina of Time. Tu comme... sais Frank, maintenant tu vas jouer au, tu vas faire une tourne au karaoké là. C'était ça. Ouais. Okay. Mm. Je ok, pas de. <laughs> mais certains, après, voyaient des chefs-d'œuvre là-dedans. C'est pas grandiose, mais c'est très diose. Euh, moi, genre, ouais. je voyais pas de chefs-d'œuvre parce que j'étais à la chambre juste à côté. <laughs> mais à côté. Euh, non, mais. <laughs> moi, j'avais une question. Mais là, toi, tu jouais de la musique, mais toi, t'en jouais-tu aussi? Euh, j'ai jamais été un musicien. J'ai toujours été plus comme improvisation, okay. théâtre, art plastique et compagnie. Il était fort okay. en impro en tout cas. C'est bon en impro et compagnie. Puis on a, on a passé les deux en improvisation, mais il y a toujours eu la touche là, euh, créative musique un peu plus que moi par contre. Okay. J'ai jamais embarqué, j'ai essayé, mais c'est comme c'est trop un milieu autodidacte pour moi. C'était comme trop compliqué. Je voulais ouais. arriver à avoir une guide. J'ai essayé du ukuléré, que je me suis fait dire c'est facile. Euh, j'ai passé deux <laughs> jours, fait, je suis même pas encore capable d'avoir une touche, j'ai écrit ça au vidange. Je déjà donné des cours de guette. Il a crissé son mais... cœur il 15 minutes. <laughs> ouais, mais t'en joues-tu encore de la musique, toi? Euh, un, un peu. Je rap pour le fun. Mais ouais, euh... juste pour le fun. Ça te manque-tu un peu? Ou... Ben, récemment, j'ai rec une toune avec euh, Nado. Une, ba... euh, une balade ou... Cool. Ouais. Fait que, ben, c'est des vraies tunes mais... savais euh... même pas. T'as fait ça... Euh... Ouais, il y a trois Incognito jours. Un connito de soir quand je suis pas là. Un connito ah. bien dans sa peau. Ouais. Oh, oh man. Bien yeah, sûr. jaurais dû faire de l'impro aussi. <laughs> J'étais pas si mal en impro. J'aime bien ça. Mais, ouais, non, j'ai récemment j'ai rec un peu, mais tu sais, c'est. Euh, mettons. Euh, puis c'est drôle que tantôt que tu parlais de lyrics, parce que tu sais, moi j'ai vraiment plus écrit des lyrics dans ma vie. Genre depuis la cinquième année du primaire, j'écrivais des lyrics, puis euh, j'en ai écrit pour euh, Désiré, qui est anciennement RSVP, puis tout. Puis euh, je trouve ça fou le switch d'un Ben de l'anglais au franco, surtout quand le franco c'est ta, ta langue primaire. Euh, parce que tu sais, j'imagine, tu as été euh, parrainé. Par la musique anglophone toute ta vie. Ah, t'sais. clairement, clairement. Puis après, de revenir dans ta langue mm. pour aller écrire des textes, puis des textes qui percutent. Mm. Je sais pas si ça a été une, ah, une figure complexe ouais. ouais. Mais toi. Mais toi, t'écrivais en anglais et en français? J'ai ou... commencé en anglais, j'étais même pas bilingue, je suis devenu bilingue, puis quand je suis devenu bilingue, j'ai recommencé à écrire en français. <laughs> oh shit, ok. c'est quoi ta mieux? Mais là, tu sais quoi, t'as mieux? Tu sais quoi, tu préfères? Ou... Franglais, pour vrai. Ouais. Je, je, je suis un gros fan de franglais. Ça, mmh. ça dépend. Ça dépend ce que tu sais. S'il y, y a une phrase que tu fais je la dis en anglais. T'sais. Ouais. C'est ça qui est le fun. Mais tu tantôt, on en parlait justement t'sais, des quotas parce que les écritent les ces mmh, ouais. radios. C'est la réalité. C'est oui. la ouais. réalité. C'est correct. Moi, dans ma tête, c'est comme, gars, je trouverais ça plus logique, mettons, euh, le blog de 8 à minuit que tant qu'elle le mettre en franco pour en encourager les artistes. C'est comme, les 8 à minuit avec des artistes locaux, qui soient en anglais ou en français, tu comprends. Bon, ça, bon, c'est ouais, encourager la local. scène locale. C'est vrai, c'est brillant. Mais, mais c'est pas de même que ça marche. Puis tu sais, c'est une game que je, je comprends, puis tout. Fait que nous autres, on s'est adaptés à la game pour on l'a faite, mais... Tu sais, après, Everything's Alright, qui a bien marché parce qu'elle a été écrite en franglais en 45 minutes, là, nous autres, c'était des tunes en anglais qu'on switch pour mettre ses radios. Ah, Elle hey, a pas mal, à la radio. Ouais mais après ça, tu sais, t'as eu deux autres chansons. Euh... Tu sais, après Everything's Alright, ça s'est bien passé. On a été dans le top 5 musique plus franco, qui... qui est plus rien aujourd'hui, mais que pour moi, c'est épique, parce que Chris, quand j'étais jeune, c'était toute ouais, pour notre Pour nous vie, aussi, man. Ouais. Mais, euh, yo, le, ouais. le top 5, on savait c'était quoi aussi. Non, ouais. non, moi, j'arrivais en retard à, ouais. à l'école pour écouter le top ouais, 5 au là, complet. T'as pas connu ouais. ça, les cassettes VHS que tu enregistrais tes ouais. clips. Ouais, ouais. 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 Oh. Ah ouais, Welcome to my life. Je vais enregistré en tabarnak <laughs> en VHS de Symbol Plan. Mais tu sais, pour, pour revenir là-dessus, vous trouvez pas que, ben plus d'un point de vue musicien, que le, le terrain de jeu est plus le fun, Franglo, de faire la sonorité? Euh, J'ai pas, pas Pour la radio, c'est parce que, mettons, c'est pas Everything is alright, c'était vraiment. C'est une tournée en français, puis on l'a partie en français, puis ça a juste à donner que les chorus. J'ai sorti en anglais, puis ça, ça fitait bien. Puis après ça, on a pris des tunes en anglais parce qu'on voulait refaire la même game, de mettre ses radios, faire de la promo. Fait que, on l'a refait avec deux tunes Mais Chris, euh, une tourne en anglais alors que tu switches en français, c'est pas pareil qu'une tune en français qui a du voilà. franglais dedans, puis tu switches euh, c'était comme si tu avais une toile rouge que tu mettais bleue. Mais t'es belle rouge, mais là, il faut que tu bleu. C'est plus pareil à tes yeux. Fait que, tu sais, après ça, on s'est dit, gars, si on est pour la refaire, on va écrire une toune en français. Fait que mademoiselle, ça a été ça. Puis on a travaillé quasiment six mois là-dessus là, sur une toune. Les textes, les arrangements, puis c'était vraiment, ok, gars, si on ça la tombe bien. Ça, on va prendre juste un petit drink, on va vous faire écouter mademoiselle. Ok, cool. Oh. Si vous avez jamais entendu mademoiselle, justement, un clip qu'on a fait de là. Parfait, mais tu ouais, tu on, on peut se permettre de la mettre au complet En fait, on s'en là C'est qui le boss de qui est, ton Ben, moi, je ben sais pas ouais. si on a. Je, <laughs> je, je là, sais nous, pas. Ça, nous, on va prendre un petit drink en même temps, mais je en même sais. temps, ouais. les gens vont découvrir Velvet Black. Puis euh, sinon, ben. Tu skipperas la tune Mais c'est <laughs> ça, ouais. mais, mais, mais. Mais pour vrai, puis c'est. Parce que depuis tantôt, vous parlez de Everything's Alright, Right, Puis euh, je l'avais pas dans ma Q-list, mais là, j'ai Mademoiselle, puis. Euh, le clip est sick, le chorus est sick, c'est complètement man. franco. en tout cas, j'ai dû en parler après, mais j'ai eu Je euh, ouais. veux, veux la montrer avant. Avant que tu la mettes, c'est justement, tu sais, celle-là, c'est comme la première qu'on s'est dit, hey, gars, fuck it. Tu sais, on prend pas une tourne en anglais qui est bonne en anglais pour la mettre en franglais. On va écrire une tourne en français qu'on trouve le bonne. Tu fait que Mademoiselle, ça a été comme la première de tout ça. Puis, euh, sur notre nouveau stock, on en a eu une en français aussi. Puis, tu sais, elle est super bonne, mais elle a été composée en français. Tu sais, fait que ça change la game. Vraiment beaucoup. Ben, on y va sur Mademoiselle. Là-dessus, Nado, là je te de coter les micros et de nous laisser partir sur. Un petit 3 minutes. Bonsoir, une place au bord, mademoiselle. Bonsoir, est-il est trop tard un Bonsoir, une place au bord, mademoiselle. Dun -dun -dun -dun. Ouais, là, 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 là. ouais là, c'est ça qui arrive. Vu que c'est un pilote, euh, ça se pourrait que les gens aient pisser euh, <laughs> pendant qu'on met des clips. Euh, mais ça reste que c'est ça qui se passe. Ouais. Au 265B, on est tous des professionnels. <laughs> non, mais écoute, euh, je pensais qu'elle était plus longue que ça. À toi. Ouais hein, une, une tune euh, était faite pour pas la pas radio hein. <laughs> c'est le radio edit là, on aurait dû mettre une tonne de Pink Floyd. Euh, de ça enflure euh, en euh, un en même temps. Vous avez tourné ça le quand les boys parce que ça, ça, c'est pas ici à côté. Comme euh... j'arrête pas de penser, c'est dans un autre studio. Euh, deux ans. En fait, euh, ouais, c'est on cherchait un studio, ouais. euh, avec un gros cyclo blanc. Ouais. Puis c'est pas loin, c'est le piédestal en fait là. C'est C'est pas non, c'est très abordable pour vrai là, pour des cyclos. À Québec, si on avait fait le tour, on était allé voir Melz, on était allé voir quelques mm. places, tout ça. Puis c'est quand même, hey, quand tu fais un beau gros setup comme ça, euh, sors la thune parce que non, ça coûte cher. Mm. Mm. Mais en tant que tel, on n'avait pas de dépenses. c'est le... quoi le nom? C'est piédestal, piédestal, qui nous avait vraiment accommodé. Et, il avait vraiment été cool aussi pour oh, la ouais. place. Fait ah, que, euh... Je me souviens plus de son mm. nom, man. il avait été super sympathique. Ben, et, merci euh... en tout cas. <laughs> <laughs> c'est ça, mais puis c'était clip là, on. Les gars, ils étaient arrivés avec l'idée qu'on veut juste nous voir performer live. Fait que là, on avait pensé justement à les voir sur fond blanc, les switches de place, pis tout ça, genre, toujours des caméras stables. Parce que c'est souvent ça l'affaire aussi, c'est que nous autres, on a un ben indépendant. On a été signé à LA, comme je disais tantôt, puis... T'sais, on avait été deux semaines là-bas, faire des showcases, mais après ça, on, on a fait une tournée d'un mois au States pour au Canada. Puis ça avait super bien été avec les Ben Génommé tantôt. Fait que c'était le fun, c'était une belle expérience, mais après ça, euh, ça fait quand même quatre euh, euh, ans, cinq ans de ça. Fait que on est, on est rendu indépendant. Fait que quand à de la réalisation de clips, mais t as, t as des budgets d'un ben indépendant aussi. Fait que de, Nous autres, c'est comme. Es, c'est pas les idées qui manquent, je pense que pour toi non plus, Frank. Puis des fois, c'est d'y aller. Pour, euh, fait qu'on voulait y aller vraiment Cette clip-là, c'était le fun parce que c'était vraiment gars. On veut, on veut voir la dynamique du Ben Live. Ouais, c'est très simpliste, fond blanc, c'est clean puis on s'amusait avec ça. C'est lui. Il bouge bien, il, bouge, ah, bien, il euh... bouge tout le temps, il bouge pas bien, mais ah. ça, ça représente <laughs> bien le Ben, dans le fond. Là, fait que... Un déhanchement assez percutant. <laughs> mais, euh, non, mais non, c'est ça, mais c'est le fun. Puis nous autres, vu que ça fait pas loin de 10 ans qu'on se connaît, il y a tout le temps une ambiance le fun aussi qu'on fait ça. Oh, fait oui. que, Ouais, ah, il y a non. quelques petites chicanes. Ben, c'est euh, comme des vieux couples, c'est normal. Des non? non? mais ouais, tu je veux man, dire, man... Il y a de euh... dans mon le... sol. Ah, ah, si, non, man, mais on, on est, est deux scorpions, <laughs> moi, je tiens à le dire. Deux mais, scorpions mais qui se c'est... Je sais pas pourquoi, mais tantôt, j'allais te demander ton signe astrologique, scorpion. je m'en calais ce moment-là. le pire signe, le pire signe. Ah, ouais. là, je vais y aller mon nom, mais ça doit être quelque chose. Ben, j'ai j'ai été des filles scorpions. <laughs> non, non, elle crie jamais de même. Là. Euh, euh, pas de hashtag MeToo, s'il vous plaît. Là, non, mais, mais j'ai daté des filles scorpions, man. Puis c'est vrai qu'il était, il était plus intense. Que... On est intense. On est intense. Mais ouais. tu en même temps, moi, je pense qu'avec Frank, c'est. Oui, cette fois-là, on a passé proche de se pogner, mais c'est comme, gars, on se le dit. Moi, je le dis. Il faut que je travaille là-dessus. Des fois, je manque d'attaque. Mais Regarde, le meilleur exemple, c'est qu'on continue à faire de la business ensemble. Ça, c'était notre premier clip. C'était durant Ph.D. Mais On vieillit, on évolue. Mais Ph.D., est pouvez vous m'expliquer? Parce que là, il n'est pas dans ma q liste. Non, non, mais c'est correct. c'est Blue Daven Scott. C'est Blue Daven Ça, ça reste dans les parce que moi, j'ai fait... Euh, Jesse est venu feed sur une de nos tours à un moment donné par hasard parce qu'on faisait un cover de Wrecking Ball avec mon premier band. Puis genre, ouais. il est arrivé pour payer. Aïe. Il est arrivé... T'as pas, pas un son pour ça? Je me, non, je ouais. me souviens... Non, mais Je me souviens... Non, mais même une image là, de Miley, là, <laughs> boule... Mais genre, il est arrivé parce que dans, dans ce temps-là, euh, bon, Gab Oclair de Forever the Light, ouais. genre, manager mon band. Puis il est arrivé pis pour payer Gab pour genre un, un truc de studio. Puis on a fait, hey, ça te tenterait-tu de faire genre des chorales sur Wrecking Ball? Puis là, c'est là que j'ai su Blue Demon Soul, c'était quoi? Mais je savais ouais. déjà c'était quoi? De mon du rock, puis la scène oh, à Québec. Puis euh... je me souviens qu'il m'en a parlé, justement, à Gab qui fait c'est lui qui, fait, qui mixait, c'est ouais, lui ouais. qui faisait la tech, là. mais euh, Jess m'avait dit qu'elle allait faire ce projet-là. Ah suis... oui. <laughs> je ne savais pas que c'était pour vous autres. C'est drôle parce que c'était random. puis là, c'est là que tu te rends compte que Québec, c'est un gros village. Hein, parce que vraiment, on s'est ouais, tous par le... croisé après. Tout le monde se connaît. Mais, mais de savoir que, en tout cas, euh, côté quand vous parlez de, de, de la business, puis du fait que vous avez peut-être eu déjà des, des escarmouches. Je pense que même Frank a pu le voir euh, récemment, que même moi en business, des fois, je suis quand même... J'suis... Bon, en tout cas, pas avec toi, mais je suis direct comme personne aussi, genre. Puis, je euh... vois pas de quoi tu parles. <rire> <rire> mais pour vrai, je pense que Excuse-moi, je, vois... je te coupe, mais on fait une brassée de linge sale? <laughs> non, non, soirée, non, 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 des... fait, fait non, non, mais je voulais dire que ça fait partie des, ouais. idées, euh, oh, non, des idées de création, pareil. C'est mais... ah, oui, oui. ouais. juste de communiquer, puis ça fait avancer. Ouais. Puis des fois, c'est juste que ça sort mal parce que c'est refoulé, mais au final, c'est juste pour avancer, communiquer. Puis ben déjà... Moi, je vous l'avais dit, tout là, pendant un certain temps, j'ai été tout seul ici au studio, puis il me manquait ça, genre je voulais avoir de la critique je voulais quelqu'un qui me critique aussi sur ce que je fais en tant que tel. Puis c'est le même principe que quand on montait les clips. Moi, je le montais, je l'aimais. Tu arrives à côté de moi, tu me disais « Ah, Frank, regarde, on devrait faire ça, on devrait faire ça. ça. » Puis j'étais en... mais au final, en bout de ligne, je regardais les clips. » Puis j'étais comme « OK, non. » c'est vrai tu sais moi la critique je la prends c'est sûr que comme t'as dit on est des scorpions puis des fois, ouais mais on, on... travaille tu sais puis je veux dire moi c'est je pense j'ai été élevé de même avec maman c'est comme on, on se on garroche des affaires puis cinq minutes après on se dit qu'on s'aime tu comprends moi ouais. mais c'est juste que y du monde mais moi mais tu sais comme uh, JP, mon drameur tu je me rends compte que lui c'est une personnalité tu sais si j'utilise des mots rude si je suis rude avec lui puis, des fois, il y a raison de ne de, de pas le prendre parce que, tu sais, ce pas parce que tu es mon bro que je peux te dire n'importe quoi comme je mmh. le pense, t'sais. Il y a une oh, manière ouais. de le dire, puis je travaille là-dessus. Je pense à l'expérience, puis l'âge, la, la, la sagesse qu'on parlait ouais. justement. Là. Ouais. Mais, euh, tu sais, mais des fois, tu sais, c'est comme. Euh, puis, lui, là, ça, il paraît d'en face, là. Fait que, mettons, j'ai dit de quoi, là, puis deux heures après, j'allais le voir. Fumer une top après le show, genre, hey, JP, euh, telle affaire. Ouais, j'ai pas aimé ça, ouais, je sais. Mais ben, tu sais, c'est ça. Fait que c'est d'en prendre dans le sens. Je pense que tout se dit. Puis en fait, ouais. c'est que souvent, tu ne veux pas dire pour pas. Euh... Moi, j'ai été souvent dans cette situation-là, même avec les... mes ex, ma famille, les gars de mon ben, mes amis. Tu ne veux pas déplaire à personne ou bien il y a des trucs qui te dérangent. Puis dans ta tête, c'est comme si. Je peux pas croire qu'ils ne sais pas que ça me dérange. Ou ben, tu c'est comme normal. Mais t'es comme, non, non, si tu lui dis pas, il saura pas, lui, ouais, parce qu'on est tous différents, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est ça l'affaire. C'est comme, je me rends compte euh, vraiment que je dis vraiment. Euh, y a pas, Il Tu sais, des fois, tu peux avoir l'air prompt, comme tu as dit, tu en business. ou, Mais tu sais, dire les choses, il y a toujours une manière de le dire, puis t'es mieux de le dire, puis de t'expliquer que, que de juste te dire que l'autre personne est supposée de comprendre, puis après ça, accumuler de la, de la frustration avec ça. Tu euh, nous, les premiers, lui, il, il, il est très, très, très dur. Il, il dit exactement ce qu'il pense tout de suite. Je suis le gars le plus passif qui va en prendre, qui va en prendre, qui va en prendre. Qu'est-ce qu une chance. <laughs> pis, euh, <laughs> mais tu sais, surtout le fait qu'on soit frère. C'est ça, ouais. Il y a une autre dualité, puis une autre rivalité qui arrive. Mais au final, comme tu le dis, genre dix minutes après, on a beau. Ben, tu sais, on se crie pas tant par la tête, mais on a beau se rentrer dedans, se dire des affaires, pas être sur le même pied d'égalité, puis se dire OK, mon idée vaut plus que la tienne, et ainsi de suite. 10 minutes après, on va faire un compromis, puis on va se dire bon, regarde, euh, ça va bien, on a une business ensemble, puis on va continuer mmh. là-dessus. C'est juste la façon d'encoder le message, de comment on se le dit, qu'on ne le reçoit pas nécessairement de la bonne façon. Ouais, puis, comme tu as dit, vous êtes frère, là. Ouais. Ça, hey, c'est là c'est de la famille. Tu sais, je veux non, dire. Pas pour piler là-dessus? Là. Non, mais tu sais, c'est le fun, parce que je pense que si, si vous avez décidé de partir une business ensemble, c'est que vous avez des, justement, tu sais, un gars passif, t'es un, un gars qui dit ce qu'il pense. Fait que je pense que vous avez une belle synergie. Puis le fait d'être frère, ça peut apporter une belle synergie parce que c'est très intense et très passionné, mais tu sais, je veux dire, ça apporte son lot de. Tu sais, trouvez-vous ça tough, vu, entre frères de, de, de faire ou... moi, moi, non, mais, mais c'est juste que moi, dans tous mes projets, euh, que ce soit qu'on soit arrivé ici, que la musique que j'ai faite avant, que ce soit avec Antoine, avec Rich Bros, je pense que le choc d'idées, c'est une affaire mmh. qu'on qu oublie avec les nouvelles générations. Tu sais, c'est comme c'est facile de passer plusieurs choses sous le silence. Puis de ne pas en parler, puis après de juste avoir une grosse accumulation. Tu sais, moi, j'accumule des fois certains trucs, puis quand ça me fait chier, j'en parle, puis c'est là que moi, j'ai l'air de moins bien paraître. Mais si. Parce que l'accumuler. Ouais, c'est ça. Je suis pareil comme toi. Mais c'est ça. Puis là-dessus. Tu scorpion. Quand t'en parlais tantôt, j'étais comme. Christ ce que je te comprends? Mais tu sais, il y a certains trucs que par rapport au, au business ou à l'art ou à whatever, j'aime mieux. En... C'est le genre de trucs que je n'accumule pas. Tu sais, je vais en parler comme tout de suite parce que je suis comme. Ah, ben peut-être que. T'as pas pensé à ça, tu sais? Euh, ou moi, j'ai pas pensé à ça, tu sais? Puis juste d'avoir cette discussion-là. Ça finit juste qu'on va plus loin au final. C'est ça, ouais, finalement, le, es même, ça pousse plus loin. le, le podcast, c'est tout ça. Là. Tout le long, ça a été genre, je pense de quoi, Antoine pense de quoi, Frank pense de quoi, puis là, on le dit les trois, puis là, ça arrive de quoi, puis là, t'as un ado qui fait, ouais, mais pour le son, ça chie, ça, puis on fait. « Ah, OK, on va repenser tout ça. » Puis là, tu sais, ouais. c'est comme... Mais c'est ça, la beauté de la chose, tu comprends? C'est pour ça, que je pense que, tu sais, tantôt, on parlait de, de, de co-écrire, tu sais, puis même vous autres, tu sais, je pense, il n'y a, y a jamais trop de têtes, il n'y a jamais trop de leaders. Je pense que c'est juste... Oui, il faut... Tu sais, même autant, moi, dans mon band, j'ai des leaders avec moi, tu sais, j'ai des gars, j'ai des têtes fortes. Puis, tu sais, euh, j'ai... Puis je ne dirais jamais, hey, ça c'est mon idée, fait qu'on fait ça, puis je crise si vous n'aimez pas ça. C'est un consensus qui fait que on met tout de l'eau dans, dans notre vin, puis on s'arrange afin qu'on soit tous d'accord avec l'idée. Ouais. Mais tu sais, comme toi, puis moi, si, si moi j'ai de quoi que je tiens à mon idée, puis que les gars sont pas d'accord avec ça, vois, si j'y tiens mordicus, puis que je crois que c'est vraiment que c'est une bonne idée, je vais vois toffer, et puis je vais essayer à lui. Ouais. Mais des fois, je vais dire, hey, Chris, c'est vrai que c'est peut-être qu'Atenne. C'est vrai que c'est peut-être ici parce que... I don't want it. <laughs> C'était quoi, celle-là? Je ne sais même pas. I don't mind. Jon Snow, OK, uh, Game of Thrones, my bad. Fait que, mais mais... mais... tu as raison là-dessus. Euh, C'est-à-dire que euh, je pense qu'au fond de soi, euh, puis là, tu sais, vous avez pas obligé de le cacher, il y a une autre coupe de vin qui se sert, bon. Mm -hmm. euh, mais, mais, pense Les mais. c'est au, au final, tu sais, quand tu as une idée au fond de toi, là, que es sûr à 100 fucking 10 ça va paraître. Puis tu vas l'appliquer ainsi, mmh. Mais quand il y a une idée qui est en débat, tu sais, mettons, c'est ça, on parlait du podcast, puis on, on lance des pistes. Il y a personne, je pense, qui était sûr à 100 de comme, hey, « ah, on devrait faire ça. » On est fucking sûr, mmh. Non, 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 c'est clair. Puis comme vous avez dit, c'est un pilote, puis je pense que c'est important de... Je pense que le, 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 le but principal, puis je pense que vous savez où ce que vous voulez avec ça, tu sais, comme euh, les, le, la photo, les médias, l'art, puis tout, puis... Mmh. Je trouve ça cool, man, puis c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, comme le, 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 le background, puis moi, ça, ça me fait vraiment plaisir, de pouvoir venir parler de ça, puis de jaser de mes expériences, puis apprendre à vous connaître avec ça, tu sais. Je pense que c'est important de ça laisser une, une liberté, vraiment, de ne pas être dans, dans de quoi de précis, mais en même, même temps... Non, tu sais, il fera penser. Tu il fera penser. Non, non, mais je radote, de toute façon. Mais euh, toi, c'est quoi mm. ton... Euh, ça, on dirait que ça me gosse. C'est quoi ton, ton vrai signe astrologique? Lion. Un lion? Oui. Dans ça dans la même équipe. Ouais, mais ouais. ouais. Bon, mais GP, les lions et les scorpions. J.P. Ouais. et les lions, puis on a une belle. C'est comme. On est capable de ne pas s'entendre, mais on a une belle affinité, je trouve. Ouais. Toi, c'est? Je suis verso. verso? Je suis le gars le plus passif. Puis c'est ah. pas mal ça, nous hein? Antoine, il a l'air d'une balance. C'est quoi, toi, Antoine Moi, je suis un poisson. Ah, un <laughs> ben, poisson. Je sais pas où ça fait avec toi. Non, les poissons, c'est les gars les plus chill sur la terre. J'ai un de mes chums qui est poisson. François Richard. Pour euh, un, oh petit, man, un petit clin d'œil. Il aurait fallu que François Lambert, que... ça soit François Richard à soir. <laughs> T'aurais eu trois Richards avec moi, ça aurait été incroyable. Mais, mais vous autres. Mais... Tu... Non, là, ça... non. 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 <laughs> <laughs> tu Peux-tu être ici peux C'est <laughs> correct, Frank. C'est correct. Mais, mais euh, même, t'as porté l'idée, tu parlais du podcast des arts puis de la manière dont ça s'entrecroise et tout. Euh, ben, en fait, la, en fait euh, ben, si cette personne-là va écouter jusqu'à cette minute-là, fine. Mais euh, dans les premières personnes qu'on aimerait ça recevoir au podcast, il y a Carl-Emmanuel Picard. Euh, de, par grand respect, de, il m'a booké mes premiers shows. Euh, puis par le fait que récemment c'est lui qui fait en fait qui permet à la scène de continuer euh, de survivre, en fait. Ah, c'est ouais. un travaillant, là, tu sais, Carl, là, lève un mon chat. <laughs> ça fait tout des années, des années, des <laughs> ah, ouais. années, là. Puis, tu sais, euh, bon, euh, ben, Soufiane, euh, qui est, qui est, ben, si vous ne le connaissez pas, c'est lui Souf. qui est derrière la production. Euh, grand ami à moi, un sensei euh, d'amour. Euh, mais euh, vous allez faire un show virtuel? Oui, super. Oh, oui, ouais, ouais, euh, euh, le seul qu'on a fait, show virtuel, c'est justement avec, avec euh, Frank, avec Frank euh, 35. Mon autre sensei. <laughs> moi, avec, euh, avec 35, puis tu sais, hey, vois-tu, moi... je c'était le fun en bah, bah, ouais. C'était le fun! En plus, puis ah, je, je comprenais en quelque sorte aussi ta, un peu ta crainte. Tu la, la COVID commençait, on a fait ça quand, je me souviens plus, où oh, euh, ça a des... après, à, à, à la fin de la pandémie? C était c était la non, non, c'était puis... fin, fin mai, juin, tu sais, je veux dire, il y avait comme le 3-4 premiers mois de fête, là il euh, y avait au moins deux, trois mois. C'est genre le 14 est... mars que ça a commencé, fait un peu après ça. Non, non, mais quand mars avril présenté l'idée, tu sais, vous étiez pas nécessairement 100 d'accord Plus moi que les gars, honnêtement. C'est vraiment moi. parce que Comme je disais, je suis old school là-dessus. Puis j'étais pas tant down parce que y avait... tout vers le monde le, s'est revirait vers ça. Tout le monde. À, à ce moment-là, tout le monde. Sauf ouais. que j'étais down, tu sais. Je te l'ai dit, je suis pas tant down. Mais tu sais, vous nous offriez la chance de le faire. Puis honnêtement, je ne la regrette pas parce que ça nous a tellement. C'était comme dans les premières fois que je suis avec les gars de mon ben. Ça nous a permis de jammer une couple Mais de on... semaines avant. fait on que c'était vraiment rassembleur. Bon, oui, chacun assez dans leur spécial, pièce. Là, pour ouais. les gens qui ont peut-être vu ce live-là. Euh, on avait respecté la distanciation solide. Là. Les gars, ils étaient chacun dans leur pièce dans le studio ici. Tu sais, tu avais deux, euh, Jesse, puis. Euh, puis cas, ouais, qui était ouais. ici dans la pièce, à deux mètres de distance, tu avais JP. Évidemment, un drum, c'est dur à isoler. Ça fait que c'est plus dur. Antoine, il a fait toute une sono quand même parce que, justement, JP dans mmh. le room principal du studio, toi, dans la régie. Avec Puis Antoine, et il m'a entendu crier dans et, ses et oreilles quatre, euh, toute la soirée. comme sans vous voir. Ça mmh. fait que vous avez joué de la musique sans vous voir tout le long. Là. Ouais. Fait que ça a été une expérience. T'sais, oui, veux, veux pas... C'est chiant, là. je le comprends. T'sais, vous voulez faire de la scène. C'est comme on entend beaucoup les humoristes présentement. C'est dur, ils veulent faire de la scène. Toutes les gens de scène, ils veulent faire de la scène. Ils veulent avoir la réaction du public. C'est ouais. normal. Parce ça, je que pour moi, pour moi c'est comme j'aime mieux attendre d'avoir un public que de me faire klaxonner après. Je comprends. <laughs> Puis rien, rien contre, ouais, rien concept, contre les concept, comprends? C'est comme. Euh, je veux dire. <laughs> Mais je veux dire, si tu le fais, do it puis si tu veux faire du t'sais, autant d'humour, si tu veux faire du stand-up, c'est ces trucs Vas-y mon gars. Mais moi, j'te, 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 pour moi, c'est pas de même que ça marche. Sauf qu'avec vous autres, vous êtes des chums. T'sais, euh, ça fait longtemps qu'on se connaît, nous autres, fait que j'étais comme gars puis d'une pierre deux coups, pis comme je t'ai dit, ça m'a vraiment fait du bien. C'était comme la, la première fois que j'ai retrouvé mes boys à mon ouais. ben. Fait que non, puis d'ailleurs, Antoine, je pense qu'on te l'avait jamais dit, mais solid job au niveau Chapeau. du son. Hey man, Chapeau, hein? Non, Chapeau pour vrai, pas, euh, ça, ça sonne, euh, Un clair. autre blog. Euh, si jamais il y a des bands, Là à Québec euh, ou les environs là, qui cherchent euh, un beau studio, puis euh, quelqu'un de compétent et passionné, Antoine, euh, c'est votre gars. Ça, je me fends le euh, cul à y dire, là, mais euh, fucking, tu sais, honnêtement, là, nous, Rich Bros. T'sais, oui, j'ai connu Frank parce que j'ai acheté une cam back then. Avant okay? ça, ah, ah, ça j'avais pris des photos de toi. Oui, en fait, c'est <laughs> vrai. Que... Et t'as-tu croisé les... sur le prix de la caméra? Ou... Non, non. c'est un, <laughs> un bon prix. C'est un bon prix, Chris. 4000$, c'est un bon prix. <laughs> un prix d'amis. Un prix d'amis, <laughs> <prix d> <laughs> mais euh, Non, non, c'était un bon prix. Mais il a pris des photos de mon Ben back then aussi. Mais, euh, mais tu de, de venir ici, oui, bon, c'est un bon timing et tout et tout. Puis on, on a collaboré sur des projets. Okay. Euh, puis c'est un espace qui est parfait pour nous. Mais non seulement ça, Fuck, le studio de musique est insane ici. Là, là c'est le pilote. L'intro n'est pas encore filmé, mais super. Il va y avoir une intro qui va être filmée. Shot de drone, shot de hey, la place ici. Check, shot ben, de tout. Coupe le son, puis mets. Ah non, faudrait quand même garder ah. le, le ben, son. Je peux le mettre, on, on, peut, on peut continuer. Mais l'introduction de. Ben, moi, je sais justement. pas si vous êtes pressés, les boys. Moi, ben, je pourrais j'ose encore un des, un heure, heure, chose, oui. euh, des heures avec vous ben, autres. Ben, pour moi, moi j'aimerais ça Mais check, prépare-toi à nous euh... jouer un petit quelque chose. Ouais. Puis, sure. Non, montre pas le. Ah, tu voulais montrer le cover. Mais le, le cover, ça montre le studio, mais c'était pas le même. Ouais, mais non, moi j'aimerais mieux au être tu mets l'introduction du, de, du dernier clip qu'on a fait pour vous autres euh, avec coup. Raphaël Roy. Ok, il a pas de problème. Euh, mais je l'ai pas. Que ouais, tu l'as. C'est Euh, non. Antoine, on va. Durant qui, oh, okay. le, le ouais, petit problème ça... te, technique, là. <laughs> okay. Euh, toi, ok. Toi et ouais. Alexis, là, ça fait, fait combien de temps que vous êtes frères, vous autres, là <laughs> Non, non, parce mais, que... Je, je l'ai. Je... Mais ouais, c'est ça. <laughs> puis, juste pour faire une petite prémisse à, à, à cette clip-là, dans le fond, ouais. c'est drôle parce que justement, vous n'êtes pas signé présentement. Non. Puis, exact. on a vagué un peu là-dessus parce qu'on va se dire au Québec, puis même dans, dans le monde de la musique, c'est quand même assez tough d'avoir un bon management. Ben, ben, mais qui ouais, tu veux bien ben, surtout quoi? un Ben anglophone, euh, un Ben anglophone, je y, y, on va, se, bon le dire, dire, on va se le dire, on va se le dire demain, même à Québec, il n'y a rien à faire avec ouais, ça. anglophone au Québec, ouais. Faut, faut il faut que tu sois assumé là-dedans. Là. Ouais, un Ben francophone ou un artiste francophone, oui, il y a plus de place euh, à avoir du bon management. Je pense que c'est une question de timing aussi, tu sais, le, le management. Autant pour le gars qui manage que l'artiste, je pense que les deux parties, il faut qu'ils soient en même place. Puis il euh, y a beaucoup de timing là-dedans. C'est ça euh... que justement avec ce clip-là qui est euh, out of business. Ouais. Euh, on a voulu faire comme un petit clin d'œil à ça dans fond, mm. là, le fond. Le, le côté ben francophone eh, anglophone au Québec. À quel point c'est dur, mais tu sais... Mais c'était beaucoup de fruits. Oui, tu as raison. Puis c'était beaucoup... Je, je pense que c'était... Ben, euh, pas c'était ben là, mais c'était... Ce vidéo-clip-là, c'était vraiment un statement dans le sens que... Euh, tu sais, moi et les gars de mon band, ça fait 10 ans qu'on fait ça. T'sais, oui, euh, on a fait des tunes qui ont marché, ces radios. Oui, on a fait euh, le whisky à Gogo, -go Sold Out, euh, jouer devant 50 000 personnes avec Brian Adams. La tournée, tu sais, j'ai. J'ai fait. Non, mais tu sais. <laughs> si je commence à brag, je peux, peux, peux braguer, <laughs> oh, mon clairement. chum, tu ouais. comprends? C'était juste pour placer bragg parce qu'on aime sous-écoute. C'était même pas un brag. Est mais, <laughs> non, non, Mais dans, quoi, dans le sens on aime ce que, est que tu t'sais, fais. T'sais, dans le sens que je pourrais te dire tous mes accomplissements puis tu il y a du stock là tu j'ai au-dessus ah oui, de 6 au-dessus de c'est pas 7 tournées euh, autant canadiennes qu'américaines de fait tu puis au de, au courant des 10 de, dernières années mais malgré tout ça il y a pas tant de monde qui sait on est qui tu comprends parce que oui on est un ben indépendant pour la plupart du temps mais tu sais c'est comme euh, tu ça tu es un ben anglophone puis je veux dire nous autres ça plus là parce qu'on est des artistes on a, on, a, on, a, on est rendu dans la trentaine tu je veux dire on, 是是。Sí, sí. accumule la frustration quand tu commences là-dedans tu sais euh, oh, pourquoi lui il fait ça pour lui puis pas pour nous autres ou whatever tu sais puis moi quand je suis embarqué, moi j'étais un naïf à la base fait quand je suis embarqué dans cette game là tout le monde s'aime tout le monde s'entraide tout le monde va dans la même place mm. tout le monde enfin, va faire enfin, du cash un scorpion, et je suis scorpion non non, <laughs> non, non tu sais moi j'suis juste genre je vais t'aider tu vas m'aider non <laughs> c'est pas de même que ça marche fait que il bah, bah, en il a, a pour qui ça marche de même mais c'est pas tout le monde puis il y a beaucoup de, de jalousie d'orgueil puis de ah tu sais puis c'est une game la la cette gimmick là ne m'intéresse pas du tout. Ça fait qu'on qu est resté underground, pareil, avec ça. Fait que quand tu arrives dans la trentaine et que tu t'as pas de kids, t'as pas rien devant toi parce que tu as tout mis dans ton projet, dans ton dans, dans ta business, puis que c'est pas rendu où ce que tu veux, ben, oui, euh, oui, tu te poses des questions. Oui, tu finis par te dire Ben, moi qui est bon, je suis fait pour faire ça euh, C'est ça je trouve plate d'un euh, premier projet. Si ça avait parti vraiment big c'est même pas au niveau du cash c'est même pas c'est juste que ça m'aurait permis d'être plus libre sur mon contenu artistique puis j'aurais jamais eu à me poser la question de tu sais des fois parce que tu, tu te courses plus en tête à faire une bonne tourne, tu te courses la tête à faire ce qui marche ouais. fait que tu sais parce que là t'es comme pas désespéré mais Chris euh, tu, tu, ça te trotte dans la tête tu sais tu veux que ça marche veux veux pas fait que as-tu une une certaine frustration envers le milieu ou au contraire tu vas essayer tout de même d'être comme un mentor pour les autres qui vont essayer, puis que tu veux essayer de leur donner une chance, ou que tu vas vraiment les aider, ou que tu as une frustration un peu envers le milieu de te dire Ça marche pas comme vous pensez, guys, puis faites-vous à ça. Non, oui, j'ai eu une frustration, je l'ai plus. Sinon, la frustration était plus envers les gens avec qui j'ai travaillé, puis envers moi, puis mes projets. N'importe quel musicien, n'importe qui qui vient me voir, qui a besoin d'aide, je pense. Je pense tout le temps à être un, une personne agréable, puis gentille, euh, puis je vais être le premier à être down, à, à, à collaborer avec quelqu'un. Moi, mon but, c'est... Puis il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas. Tu as le talent, tu as le timing, tu as le business, tu as tellement de facteurs. Là. Il y a tellement de facteurs qui rentrent là-dedans. C'est juste que, comme je disais le, tantôt, autant avec le COVID, l'acceptance, puis moi, ça a été ça avec ma carrière, t'sais, au niveau musical. Puis, je suis pas rancunier. Je me considère pas rancunier dans la vie, mais j'oublie pas. Fait que euh, la frustration que j'ai eue, elle me motive à à reach, elle me motive à aller chercher ce que je veux pour la, la remettre d'en face aux gens qui, 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 qui m'ont fait un petit quelque chose euh, dans le passé. Mmh. Bon. Bon, sur bon, ces belles ouais, paroles, mais euh, ouais. Justement, et je dirais. Surtout l'introduction. Tu sais, commence la track, tout ça. Ouais. Vois, non, non, dirais... mais, non, non, mais Puis je tiens à le dire, n'importe quel musicien ça. à Québec, là, euh, Velvet Black ou euh, Maggie, VB, euh, venez me jaser là, ça vous tente d'écrire du beat ou. Euh, tout le temps partant pour ça, pour aider, puis euh, encourager les gens. C'est sûr que je suis pas prêt à donner tous mes contacts non plus, tu comprends Ça se travaille des contacts Non exact. Mais ouais, euh, a, je pense aussi. non, mais tu sais d'être agréable puis d'être courtois, ça. Ouais. ouais, je suis dans en crise, mais j'oublie pas, man. <laughs> sur, pas. sur cette euh, sur cette personne autant gentil que rancunière, non pas. <laughs> eh, on va. j'oublie pas. Je euh, <laughs> suis pas rancunier, mais ce que j'ai une bonne mémoire. <laughs> non, mais... <laughs> Euh, on va y aller avec un, euh, ce clip, euh, incroyable clip euh, produit par euh, Frank ici. Donc, euh, on cote les micros et tranquillement, je vais transitionner. C'est quoi là? Tu veux que je baisse mes culottes et je, je te donne tout mon linge, je vais parti là. Hey kid, welcome to the real world of music. Ok? If you're not happy with that, then one minute, get the fuck out. <laughs> Father figure Put your money in the bag Before they pull the trigger Stick around Around the bend Among the non-believers Brag about it Talk about it Like it's gonna happen Did you really think That I was gonna go for real? Did you really think That none of this was ever real? I'm pretty sure We started sinking My hands are shaking The other's coming You're riding on a Bible sweat and never fuck up. Put your hands behind your back before they call for backup. Ring the bell and stop the show. The people, how you mad? Up, been bragging about it, talking about it. When is it gonna happen? Did you really think that I was gonna go for real? Did you really think that none of this was ever real? I'm pretty sure we started sinking. My hands are shaking. The end is coming. Some country c'est euh, Maudit beau clip, ça? Chris euh, c'est content. Clips, en vrai, il... ça. Pour vrai, tu sais, en plus, euh, on voyait le studio Rototom dans ces clips-là. Donc Bien, mais mais je regarde eux. vite, vite devant, mais il y a beaucoup d'améliorations quand même depuis là aussi. Là. Fait qu'Antoine euh, n'arrête pas de faire évoluer le studio. Puis euh, tout plein de petites améliorations ici, là, puis ça va pas arrêter non on plus. Là, on ben avec euh, avec l'entièreté de l'espace créatif, en fait. Là, Et je pense est, euh, moi, ouais, racheté, je moi, je me souviens là, ce que je t'ai coupé, mais je me, me souviens, j'étais. Dans le, quand Notre premier album complet qu'on a fait, c'était ici. Puis dans ce temps-là, c'était pas. Dans ce temps-là, c'était pas, euh, pas comme c'est là. C'était d'autres personnes qui avaient la charge de la place. Puis c'est tout le temps une place que j'ai trouvé qu'il y avait un soul. Sur le temps de place, j'ai trouvé qu'il y, qu y avait de quoi, je suis comme hey, cette place-là, si on, on a du bon monde, puis on a du monde qui vit, il y a de quoi à faire avec ça. Je trouve ça cool de voir le nouveau vibe, de voir Frank, voir vous autres qui sont là, Antoine. Moi, vous me permettez d'être avec vous autres, pouvoir euh, faire mes, mes, mes projets créatifs, de jamais avec mes boys. Fait que. Je trouve que comme tu as dit, la place elle, elle prend vie. Parce que c'était. Dans le clip, c'est super beau, mais là, ça prend vie. Puis ça, Je pense. Quand tu es, es artiste, euh, toujours confondu, je pense que c'est important d'avoir un soul, d'avoir un, un esprit qui, qui est dans la place. T'sais. Tu m'ouvres la porte. Euh, oui. Un peu avant la pandémie, tout ça, là, je sais que tu voulais faire un peu de solo. C'est encore dans tes plans, c'est quelque chose que ouais. tu veux faire. Euh... Euh, oui, c'est ben, encore. Tu faisais beaucoup de bars quand même aussi en solo ou ben, peut-être juste avec euh, Jesse. Ouais, ouais. Mais c'était plus des, des, des covers euh, d'un bar, mais T'sais, puis c'est le fun aussi parce que là je t'ai rendu avec une formule que je faisais les tunes que j'avais le goût de jouer, fait que euh, non c'était quand même bien, mais. Oui, euh, c'est encore dans les plans, la, la, la formule solo. T'écris-tu un peu en solo ou toujours pour Velvet, présentement? Euh, non, j'écris en solo beaucoup plus que pour Velvet. Pe Peut-être, euh, pas, pas, pas parce que j'ai le goût de garder ça pour moi. Je pense que si j'écris une tune et que je sens que ça va à Velvet, je vais vois y aller ouais. avec Velvet Black. C'est juste que, pour l'instant, euh, j'ai beaucoup d'idées euh, plus euh, git acoustique folk qui fait plus avec ce que j'ai dans la tête pour mon projet. Fait que... Euh, j'ai pas tout une complète. Euh, J'ai des idées. Mais oui, ça avance. puis euh, C'est toujours dans plan, mais je ne me mets pas de pression avec ça. C'est drôle, justement, avec le, le COVID et la pandémie. Euh, C'est comment hey, les, les artistes, vous avez du temps pour euh... <laughs> Ouais, mais tabarnak. <laughs> il est beau avoir du temps. Je suis déprimé en esti. Pas le goût de t'écrire une tune là. Ouais. Fait que, euh, non, non, c'est ça. Ouais, euh, dark. Là. Ben, ouais, <laughs> vraiment, vraiment. Puis ouais. c'était ça. Ouais, c'était ouais. comme, tu puis que tu montres ça à tes chums, ta famille, ta mère. Puis qu'elles sont comme, tu, tu vas-tu va tu bien? <rire> <rire> que, mais c'est-tu euh, correct pour toi de sortir ces émotions-là? Parce que, tu sais, vaut mieux les sortir que de les garder en. dedans. Euh, oui, ben, hum. moi, oui, moi je trouve que c'est correct. Euh, t'sais, autant avec Velvet Black qu'avec mon projet solo. Moi, je suis un gars... T'sais, parce qu'il faut que tu sois avec la personne. Moi, je me j'écris des tunes. C'est romancé. C'est des tunes. C'est pas 100 C'est pas 100 ouais. Ça part d'une idée. Je veux dire, euh, t'es interprète là-dedans. Euh, J'ai beaucoup de textes, euh, souvent. puis Surtout, je me rends compte, avec mon projet en français, pour moi, justement, là, que c'est beaucoup de deep. C'est pour ça que je veux travailler avec du monde. Parce que, tu c'est très dark. C'est très... Lourd. Pas lourd, mais tu c'est des... C'est des grosses phrases. Puis, puis pour moi, c'est comme c'est juste un état d'âme. Puis tu sais, je veux dire, un coup que tu as ton état d'âme dans ta chanson, ben tu sais, c'est ça ton thème, tu y vas. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu parles de ça que c'est toi qui se sens comme ça nécessairement. Tu vas romancer. Tu sais, je veux dire, c'est un peu comme un, un téléroman ou whatever. Tu comprends? Il mm -hmm. faut, que, faut que tu romances. Tu sais, ça, ça reste de l'art. Et voilà, mais fait que tu sais puis moi ce que j'aime tu sais autant j'étais un gros fan dans le francophone de Daniel Bélanger. Puis un euh, ouais, big fan too. Dude, on, on se fait une soirée là, on fume des spliffs, pis on écoute du Daniel Bélanger <laughs> all night long, all night. <laughs> Mais non non. Il était avec qui lui non avant c'était non, moi, c'est Danny Badard, J'aime bien, c'est pas Daniel Non, mais t'aimes Daniel, ah, ben, hein. Bélange Bélange ben, oui. Daniel Bélanger aussi? suis Plus dans les premières tours que j'apprenais, c'était sûr. Mélange-les pas. Daniel Bélanger, même. C'est deux autres hommes, hein? excusez, tabarnak, j'ai créé un, un fight un musicien. Un asti de malaise. Ouais. Non, non, non. <laughs> non, non, non. <laughs> non, non, mais... OK. Pouvez... <rire> <rire> mais revenir euh, à ça, Daniel Bélanger, en francophone, c'est un artiste que j'aime beaucoup, puis je me suis rendu compte que... Quand je suis en amour, puis ça va bien je me retrouve dans ces tunes puis quand je peine d'amour puis ça va mal je me retrouve dans ces tunes mmh, c'est un peu ça que j'aime avec, avec mes textes sont dark puis c'est pas parce que tu t'as pas besoin de filer dark parce qu'avec la musique puis l'arrangement musical je vais te faire filer bien ça va, être, ça va être pop ça va être le fun tu vas avoir le goût de danser mais si tu portes attention au texte c'est ça ça va être deep, ça va être dark puis je veux dire c'est une peine d'amour euh, quand même bien que c'est triste et c'est dark. Même si toi étais en ce moment ça va bien dans ta vie, quand tu vas écouter à tu vas peut-être bien t'en remettre dans, 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 dans ce temps-là parce qu'on en a tout vécu, puis on va en vivre d'autres. Non, moi j'ai trouvé la bonne, Jesse. Oui oui c'est vrai le gars il a des photos de ses enfants sur son bureau oui, il vous dit oui. comment c'est un papa oui, 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 est... il est rendu là ben t'sais il a 10 ans de plus que toi aussi ouais ah, c'est sûr je hey, voulais pas coller ça comme étant un branding genre c'est un branding euh... 35 mm exact... <laughs> ça devrait s'appeler 25 mm pro <laughs> non mais pour ne pour pas citer un de mes artistes préférés euh, Nick Fur, man euh... Euh, je sais c'est quoi d'écouter du rap. Ouais, je, je sais, sais c'est quoi un Frank est devenu <laughs> un fan aussi. Je... Et tu m'as accroché solide. Puis toi, sur d'autres artistes, man, ah. mais je sais c'est quoi d'écouter du rap et de me sentir compris. <laughs> fait, euh, de, pour moi, d'écrire des lyrics darks ou, ou d'entendre des lyrics dark, c'est le fun parce que c'est des états d'esprit que tout le monde va véhiculer. Puis toi, tu exprimes à travers une chanson. Ouais. Puis c'est pas un politicien, un scientifique, un motivateur, non, non, non. un TikToker, un Instagrammer qui va en parler. C'est toi. C'est ça, exact. Puis c'est moi ce que j'en pense. Puis tu comprends, c'est qu'une toune où, quand tu sais, quand tu fais du beat, là, tu veux rejoindre du monde avec ça. ça c'est ce que je veux. C'est dur, dur de s'ouvrir et d'être le porte-parole de. Que tout le monde pense, tout le monde vit. Mais c'est pour ça que. Tu qu n'en parle pas en plus. Mais ouais, ça? mais tu sais, en même temps, c'est pour, pour, ouais, pour ça que je me. Tu libérateur pour d'autres. Ouais, t'as raison. Puis c'est pour ça que je ne me considère pas, pas euh, porte-parole. Tantôt, je disais, je fais pas de tour engagé ou de politique ou whatever. Justement, parce que je veux pas être le, le, le gars qu'il faut écouter. J'veux, ah, il a dit ça, il faut faire ça. Ou. Euh, euh, tu sais, je veux avoir un message à livrer dans le sens que, gars, mon chum, t'as le blues, ça ne file pas. tu T'es pas tout seul. Il y en a d'autres qui sentent <coughs> comme toi. Puis. Puis, donner un message d'espoir là-dedans. Moi, j'aime ça. Tu sais, l'ironie d'être. Euh... J'aime beaucoup l'ironie puis le sarcasme d'envie. Fait qu'avec mes tunes, ça va être ça. Ça va être écrit. Tu focuses ces paroles, c'est dark. Mais si t'écoutes la musique, c'est entraînant, puis t'as le goût de danser, puis c'est le party. Puis c'est un peu ça, moi, dans ma vie, tu comprends. C'est comme. Faut, faut que t'assumes qui que t'es. Faut que t'assumes. Tu sais, moi, si j'ai des, je suis un gars mélancolique. Puis, euh, je me sens pas. Euh... Je trouve pas que c'est grave. Non, mais, euh, pis je, mais je l'accepte, je suis mélancolique. Tu sais tu comprends? Quelqu'un de mélancolique qui, qui, qui veut se faire croire qu'il n'est pas mélancolique, ça, c'est triste. C'est ça le plus Il faudrait qu'on parle plus souvent. gars, <laughs> mais... <laughs> yeah, euh, écoute, euh, je te donne mon adresse, tu sais où j'habite? Ouais, ouais, euh... au bureau, là. Non, non, mais, euh, je, vais, je vais te transformer Alors, en scorpion. Je vais te transformer ah? en scorpion, je, je pense. Au... <laughs> ouais, ouais. Un lion devenu scorpion. Mais euh, non, non, mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est important de se respecter. Puis mon ex, ça me fait beaucoup rire parce que tu sais, mettons, euh, moi, j'ai pas tout le temps été à mes affaires. J'ai fait, fait mes années rock and roll d'un temps d'aujourd'hui. Je les ai vécues à ma façon, puis j'ai aucun regret. J'ai eu beaucoup de plaisir, puis j'ai pas tout le temps pris des bonnes décisions. Ça, it's a part of it, là. C'est bien correct. Aucun, aucun regret. Puis je trouve ça le fun parce que ça m'a permis de grandir, puis ça m'a permis d'être de, 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 vrai. Puis tu sais, mon ex, elle, dans sa tête, pour elle... C'était comme c'était plus facile. Pas, pas plus facile, mais elle avait. C'était pas une personne mélancolique. T'sais, moi, je me considère, on ne s'embarquera pas là-dedans, mais je me, moi je crois beaucoup aux esprits, puis aux âmes. C'est pas nécessairement la religion, mais une vieille âme versus une nouvelle âme. Je crois beaucoup en ça fait que tu sais je la considérais comme une nouvelle âme tu sais quelqu'un de pur que tout est beau tout est facile tout est simple une certaine naïveté une, une naïveté même. beaucoup c'est beau la naïveté puis moi c'est une naïveté que j'avais quand j'étais plus jeune que j'ai perdu puis je me considère comme une vieille âme tu sais avec des tourmentes de la mélancolie euh, puis euh, tu sais j'aime l'alcool euh, je vais être, je peux me considérer alcoolique fonctionnel puis tu sais quand j'en en parlais de ça à elle ben tu sais c'était comme hein dis pas ça tu te tapes ça à la tête nanan mais tu sais puis comme non, non, c'est comme je peux pas passer ma vie à pas accepter que c'est ça. Parce que toi, dans ta tête, c'est pas de même parce que t'es pas ça. Mm -hmm. Tu moi, le, 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 les feelings qui me viennent en dedans avec l'alcool le, 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 ou euh, les, 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 le party, le vice, de tout genre. T'sais, la bouffe, le euh, sexe, euh, les drogues, l'alcool. Tu comprends? C'est comme. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, je pense que. C'est pas de quoi qu'il est nécessairement grave, je suis capable d'être fonctionnel, mais je pense que c'est important que tu sois conscientisé, puis que tu saches, ok, puis que tu acceptes que tu es ça, tu sais. Puis comme moi j'acceptais que j'étais ça, ben, pour les autres, c'est puis pour elle, c'était comme, hey, tu tapes ça la tête, puis c'est comme, non, non, je veux juste accepter que je suis de même pour pouvoir progresser là-dedans. Puis pas que ça devienne un problème, puis pas, 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 pas faire de la peine, puis blesser le monde autour de moi, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup créé, bloqué dans ma création, ça aussi, vu que je suis un gars deep puis dark, d'avoir peur de, de la blesser, elle, avec mes textes ou mes chansons, ou ma mère, qui est très inquiète. Christiane Toon, dans tes paroles, le présentement. Oui, euh, euh, non, mais, ouais, non, mais t'sais, quand même. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose d'accepter la mélancolie puis d'accepter le « darkness » de tout ça. Il y a de quoi de beau là-dedans. Puis moi, il y a de quoi qui, qui, qui m'ébahit puis qui vient me séduire là-dedans, Mais ben Moi, c'est ça. Ça fait 10 ans que je te connais puis je te l'ai dit tout à l'heure, justement. Genre, je trouve que t'as quand même maturé de la sagesse, là, vraiment, là, ouais. parce que je t'ai vu, man. En haut, en bas. Oui, ouais, vraiment. T'es un là. des premiers à m'avoir vu. Pour vrai, de te voir là, présentement, même, ouais. moi, je trouve ça, ça beau, man. Je ben ben, pense que c'est important d'évoluer chacun à son rythme. Puis euh, chacun, on a, on a tous nos problèmes, on a toutes nos personnalités. Puis... Je suis vraiment à la quête d'être une personne heureuse avec moi-même. Je pense que c'est ça que le COVID m'a apporté. Je de... suis là pour les autres, je ne me considère pas égoïste, mais je ne suis pas une personne narcissique, je pense. Mais euh, je suis capable d'être égoïste dans le sens que je focus sur mon projet, puis des ex, puis de la famille, puis ma mère, puis du monde, j'en ai mis de côté à cause de mon projet. Parce que la musique, puis mon projet, puis mes vrai. projets passent avant le reste. Puis le monde autour de moi l'ont toujours accepté parce que justement. Je suis un gars excentrique, puis je suis un gars qui ne s'est jamais caché de ça. Puis des fois, je vais avoir l'air plus tout croche que ce que je suis. ça ne me dérange pas parce que je le sais qui je suis. ça ne me dérange pas. Puis c'est pas une image, moi d'aimer faire le parti, le monde le savent Puis c'est pas une image que je tiens à véhiculer avec mon projet et avec mes arts. C'est une partie de ça. Mais c'est pas de quoi que je veux. Un... C'est pas un créneau que je veux avec ça. Tu sais. C'est juste que c'est important pour moi de ne pas me cacher de ça parce que c'est comme ça que je suis. Tu sais. Fait rendu là, c'est d'évoluer là-dedans, puis d'être agréable avec les gens. De... Il a fallu que j'arrête de consommer aussi pendant un bout, tu comprends? puis tu sais, comme... je vais peut-être arrêter un jour. Puis c'est important, c'est juste de t'écouter, puis ça m'a apporté la, la, la plus grande sagesse du monde, ça. plus pis... euh, familier avec euh, Épicure, Épicurien? Épicurien, mais ouais. moi je suis une personne, et je me considère épicurien. Ouais. Ben, ben, C'est la philosophie de ben, Épicure, le philosophe, ben, en tout cas, ben, de, de se déniveler de, de, de philosophie, mais dans le fond, quelqu'un qui apprécie les plaisirs. T'sais. Vraiment, ouais. vraiment, puis qui, qui se satisfait de ça, puis qui est prêt à vivre sa vie misérablement. Pour le plaisir qu'il va avoir vécu la journée d'avant. Les tu plus comprends. grands créateurs étaient dans le viste. Tous des C'est Un point, mon ami. Là. Mais c'est, it's a part les of Les plus grands auteurs littéraires, mm. euh, mm. euh, les plus grands musiciens, mon Dionysus, ami. Dionysos, rock them all. <laughs> le, dieu des, le dieu du théâtre, du vin et des drogues. Mais c'est sûr est... Grec. Il n'y a pas ah. beaucoup de musique sans drogue. Ouais. <laughs> non, non, il ne faut pas s'en cacher. Puis en même temps, il faut casser le pattern On n'est plus dans les années 80, C'est plus euh, sex, drugs, rock and roll, tu comprends? C'est comme, ouais. tu n'as pas le choix d'être à tes affaires, puis d'avoir une tête de ses épaules Moi, les c'était un band Non, non, donné. mais c'est <laughs> les années 80. La musique ouais. euh, n'est plus l'industrie qu'elle était. Effectivement. Puis, euh, il faut que tu t'adaptes. Tu sais, moi, combien de musiciens à leurs affaires? Il faut que tu sois sharp. Il faut que tu sois sharp. Puis c'est it, tu sais. Il faut que tu aies un job à faire. Puis, euh, combien de musiciens que je connais qui sont véganes, qui ont eu, euh, que, soit par, euh, par problème de dépendance, même pas juste parce que c'est des bonnes personnes qui, qui, qui prennent soin de leur santé. Tu sais, j'en ai vu toujours tout, tout côté. Je pense que c'est juste, pour... ADN, là, on finit tout, dans ma tête, on finit tout six pieds sous terre. Il faut en profiter puis vivre ta vie comme bon le semble. Tu vis ta vie à ta façon. Puis, il faut, faut que tu, tu sentes que tu as accompli de quoi dans ta vie, tu sais. Puis, quand j'étais jeune, c'était beaucoup ça. Ça n'a pas changé, mais quand j'étais jeune, c'était euh, Yolo, puis je m'encorisse. Puis tu sais, non, là, c'est plus ça. Parce que si je vis comme ça, je ne vivrai pas longtemps. Fait que je tiens à ma vie, je tiens à ma santé à ma santé, je tiens au monde que j'aime. Je vais être une personne agréable pour les gens que j'aime. Oui, ils sont au courant de comment je suis. Puis tu sais, ça, c'est correct. Je vais rester comme je suis. Mais ce n'est pas une raison pour euh, prendre pour acquis qu'ils vont accepter mes sortes mes, mes d'humeur ou mes colères ou, et vice-versa, tu je pense que c'est ça, c'est juste d'évoluer puis euh, c'est ça, man, euh, au moins, ça, ça a rapporté ça de positif, le, le, le COVID. Dans mon cas, c'est ça, ça m'a beaucoup euh, humanisé, je pense. Euh, ça m'a beaucoup apporté à, à penser plus loin que le bout de mon nez, que je considère que... Ouais, moi, je me répète, même, pis, man, bravo, parce que justement, au début du COVID... Euh... C'était pas facile pour tout le là Non, pas non, c'était vraiment, pas vraiment pas pas. facile pour tout le Puis, je t'ai vu, toi et Jesse aussi. Ah, Puis, j'ai ouais, beaucoup d'amis proches euh, qui euh, m'en euh, ont parlé. Vous aviez une grosse ah, été en plus devant vous. Oui, bien que c'est ça qui est frustrant. Tu sais, c'est au-dessus d'une centaine de choses canceller L'été, tu sais, la plus grosse euh, été. Euh, euh, est... Tu vis de ça à temps plein, tu sais. Puis là, man, je vais. Tu sais, Alexis, je peux pas retourner dans restauration ou dans bar à être barman. Tu comprends? C'est fermé. Fait que moi, ma source de cash rentable pour moi, tu sais, parce qu'avec le les, les, les choix de carrière que j'ai faits ne sont plus. Puis, euh, je veux dire, j'ai eu de la frustration. Puis, j'ai beaucoup d'amis proches qui, qui étaient là pour moi. Puis, je les remercie beaucoup. T'sais. Je ne les nommerai pas, mais ils sa le savent, de toute façon. T'sais. Puis, puis j'étais juste honnête avec eux autres. C'est comme, gars, j'ai pas avalé la pilule. Je le prends pas. Je je, fais, je je le prends crissement pas. c'est correct. Je pense que c'est correct Aye. si tu le dis au monde. Puis en même temps, c'est juste qu'à un moment donné, là, vers la fin, j'étais comme... OK, mais ben là, ça, ça commence à affecter les gens qui sont autour de moi. Faut que, accepter. C'est pour ça. On n'a pas le contrôle. Non, non, mais c'est pour ça que j'ai accepté oui. puis je me sens beaucoup mieux aussi. Puis je veux dire, j ai, j ai reprends mes projets. Advienne que pourra. C'est quand même bien que ça sera joué dans un bar ou faire de la musique euh, pour 50 personnes, tu Rendu à 30 ans, la question n'est plus. Là, c'est ça que je suis, tu comprends C'est, comme j'essaie plus de, de rejoindre à 100 000 personnes. Puis comme... man, anyway, là... Euh, bon, euh, deux trucs. D'un, la pilule, c'est pas tout le monde qui va à la même vitesse. Tu sais, Puis l'autre truc, c'est que quand la petite COVID va finir, je te garantis que tout le monde est tellement écœuré d'être chez eux. Le eux, hype, va être, que bon le bon hype bon va être immense. Fait que C'est comme T'attends tranquillement ouais, à de... ce que le Dow Jones ouais. remonte. Puis là, <laughs> genre, ouais. vous allez être là. je que... pense que c'est juste inquiétant parce que tu te dis à quel point ça va redevenir comme c'était. Tu comprends. Surtout pour des. Tu sais, comme dans le domaine de la musique, je veux dire, tu... c'est des festivals, puis c'est des, 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 des marées de monde. Nous autres, je veux dire, pour que ça marche, ma business, faut il faut qu'il y ait le plus de monde possible, jump pack un, les autres. For sure. mm. Fait que c'est ça qui est un peu stressant, puis de ne pas avoir de date. Pis... Mais comme je t'ai dit, advienne que pourra, puis pour faut. faut... Faut que acceptes, puis c'est une paix d'esprit, tu sais. Mais euh, tu moi. Du monde. Vous me dites que, mettons, Velvet fait deux shows dans, mettons, parce que c'est Québec on s'entend le sur une petite scène. <laughs> vous faites deux shows, mettons, un en juin, un, un en juillet. genre je serai aux deux, parce que les bands à Québec que je considère gros ou, qui, en tout cas, qui, 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 qui considèrent mon intérêt, ouais, genre, il y en a pas beaucoup. Tu fait que <laughs> si vous arrivez dans une scène comme ça, vous êtes autant bien placé que vous l'étiez avant. Vous arrivez, vous faites deux, deux shows. 2, 3, 4, 5 000 christ Tu sais, parce que fuck le public est tellement en manque ouais, <laughs> de, ça manche. On va fait. klaxonner, fuck pour des humoristes. Euh, on a filmé <laughs> un show, nous autres de musique, et des gens klaxonnaient, mm. puis on était comme, Chris, le monde était dedans. Puis c'était des klaxons. Là, non, non, j on encore, trouvait et que et le monde était dedans. On a parlé tantôt, puis c'est comme, j'ai rien, rien contre ça. C'est juste que moi, personnellement j'ai l'impression que ça m'aurait plus affecté que fait du bien. Ah ouais, c'est sûr c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, comme tu as dit, pis on en a parlé un peu tantôt, vite vite, mais tu sais, euh, le 21 février, on fait un show à, à l'antibar et spectacle et euh, ouais. avec carl euh, Emmanuel Picard, tu sais, euh, on en a parlé vite vite tantôt, mais ce gars-là, euh, c'est un mordu, c'est un passionné, mm. puis euh, tu le sais, tu joué de la musique, tu pour les Ben de Québec, la relève. Ah il ouais, euh, oh. est vraiment là, il est vraiment là, puis c'est un... C'est une chance qu'on a du monde de même. Puis je pense à lui, puis je pense à Marc Légaré du Sonom, qui est un passionné qui, qui, qui a permis à moi et plein d'autres bands du Québec à, à travailler sur leur band puis avoir une place safe que la musique respire. Puis, des, du monde de même, c'est des sais Je tiens, je tiens à, à faire un petit clin d'œil à Carl avec l'antibar et spectacle là, pour les prix gamics. Yo, euh, qui prix. ont remporté le prix gamic avec euh, l'antibor et spectacle Félicitations, Carl puis euh, c'est bien mérité puis euh, tu sais Carl mais sauf puis toute l'équipe euh, technique là ouais, Soundman, ouais, 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 on peut le les nommer je connais pas toutes euh, personnellement ouais. ouais, Oli ouais, au son puis euh, ouais, euh, non non c'est comme vous êtes des machines les boys puis autant que je ne suis pas adepte mettons d'en faire plein mais quand c'est le temps tu vois -t'sais, on sort notre EP euh, je vais spoiler la date, là, ça se peut que ça ne soit même pas sorti, anyway. Mais le 14 février, on sort Ouh, ça. ça déjà... Fait que le 21, moi, c'est Valentin, <laughs> fait c'est ça, fait que, on sort ça puis ah. euh, le show, le show il venait comme avec la promo euh, de ça. Pis... Explique-nous ah, comment ça. ça fonctionne dans le fond là, pour le monde qui est pas au courant de l'antibar tout ça pour live show, de même. Ben, mais c'est une billetterie en ligne, là, dans, ouais, le fond, ça, euh, là, pense... dans le fond, là on se dirige sur euh, l'antibar. Euh... Je peux pas, j'ai pas fait mes, 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 non mes recherches. Mais je sais que je le sais que t'as un prix pour mettons une personne seule qui regarde le show ou euh, si vous êtes plusieurs à la même adresse qui regarde le show, c'est deux prix différents. Ouais. Je pense que ça, 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 ça tourne aux alentours de 10 pour euh, le prix solo, puis 15 ou 20 pour le prix de groupe. Euh, c'est pas cher, man C'est pas, pas cher pour C'est pas cher aller. pour encourager. puis, tu sais, je veux dire, tu n'as même pas de te puis, je pense que le monde a besoin de ça. Tu sais. euh, oui. regardes les sports. Hey, non, mais t'as... Ben ouais. On va se le dire, c'est un podcast, on a le droit sur le net là, mais tu sais TVA Sport là, <laughs> qui représente des, des, des événements de là, 5 ans, ouais. pas de son puis qui font comme si ça venait de se passer. What? Oh, je prédis! Ah, un -no, mais un, -no. un -no. ah, non, mais ils ont un son. Non non, mais ça, ah, tu sais. Non non, mais c'est ça Tu vois. pas son comme... clap, bitch. On, on, on est dû pour du live là, on est dû pour du live, tu sais le présentement c'est le fun, tu sais t'as la NFL au niveau sportif. Tu euh, championnat euh, junior, ouais, mondiaux junior, euh, la NHL qui recommence le 13 janvier. Ouais, fait que c'est ça, en espérant que les arts et spectacles euh, reviennent sous peu aussi. Tu sais, je pense que le monde, puis comme tu as dit tantôt, là, moi, puis même j'en parlais avec JP, mon drômeur, là puis le monde. Ils vont se déchausser toutes les. Tu sais, le monde, on soif, là. le monde, ont besoin d'aventure. Le PCE va passer dans vente de biens, mon ami, c'est sûr et certain. Non, non, mais les bas bêtes, le les bas, euh, tout, là, crédit, le... crédit, cling, 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 là. ching. tching, tching. <laughs> non, non, mais, tu je pense que le monde, le monde vont, vont, vont virer fou, tu Puis moi, je suis un peu dans cette optique-là, tu sais, avec euh, le temps des fêtes. Moi, c'est plus. Moi, pour moi, c'est plus ce que c'était le temps des fêtes. Fait que, tu sais, moi, c'était comme. Anyways, là, après pratiquement un an, yeah, aussi bien de me garder deux mois encore de même, puis après ça, crisse-moi avec ça. Euh, euh, moi, moi, je donnerais un coup, mon gars, là. Mais je fermerais tout pendant trois semaines, pis on en parle plus. Non, non, c'est ça. Donne un coup, puis après ça, là, tu sais, gars, yeah, peut-être pas comme c'était, là, mais tu sais, crisse-moi kind of. patience. T'sais, la loi des masses, ça sera là, whatever, t'sais, tu comprends, mais laisse-moi oh, la performer. Même, mais... Non, mais j'ai tu sais, parce que pour moi, là, tu c'est comme jouer devant 1000 personnes, 500, ou n'importe quel nombre, j'ai joué devant 50 000 personnes, j'ai joué devant 5 personnes, puis j'ai donné, donné le même show. J'ai donné le même show, puis je le fais pour moi, puis je le fais pour le monde qui sont là, puis... Mais j'ai besoin de ça, c'est une thérapie, tu comprends? Oui, c'est un job. Mais je suis en train de virer fou à rester à la maison. Là. De ce temps-ci, je suis à la maison, je ne fais rien. Je vais vous le dire, les gars. Il faut que je prenne une gorgée de vin. <laughs> vous avez l'impression que ça va être quoi de gros. Là, mais, t'sais, t'sais, on parlait des vices et des plaisirs tantôt, mais je suis à la maison pis moi j'ai la routine que je n'ai jamais voulu avoir. Hey, Dis-moi pas ce là... qui se passe dans ta chambre à coucher. Là. Non, non, non. <laughs> de ce temps-ci, <laughs> j'ai besoin de « trill » dans ma vie. Je m'en vais sur les puces des, <laughs> les, des de Facebook. Je m'en Facebook oh, ouais. pas à ça. <laughs> non, 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 man. Je dépense, là. <laughs> Je dépense, là. What? Non, non. Avec Amazon, non? Besoin, des des j'ai des 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 là, trois te mois, des des vraiment des des voir des filles, puis me changer les parce que, tu sais, moi, je suis habitué d'être sur la route, vivre dans mes bagages, on parlait d'épicurien épicur... tantôt, puis, ouais. tu sais, moi, je suis un gars bohème, hein. vivre dans une chambres d'hôtel, vivre dans mes bagages, vivre sa route, j'ai pas de trouble avec ça, puis là, je peux plus, tu sais, c'était ma thérapie d'être sur le stage, de lâcher mon fou, puis là, je suis en maison, puis là, je suis en train de vérifier avec là. Je ne sais hey, plus quoi faire, je dépense. Euh, le post-it de Shawshank Redemption. Quoi? Shawshank Redemption, oui. Il ouais. est malade, il beau. Là, là. Il est beau, ouais, hein! Es Genre, tu sais première ouais, affaire, je suis arrivé. j'aime ça. ça. On prendra une photo à la fin du podcast ou euh, plus tard. <laughs> euh, J'aimerais ça qu'on mette une photo à la fin, <laughs> comme en montage. Hey, il est beau, man. Oui, mais vois-tu ça, à la base, c'est sur les puces. Dans ma. Non, mais sa photo, il avait l'air d'être gros, écoute, gros, euh, gros comme ça, là. Tu sais, comme, j'étais, hey, il va bien fitter dans ma chambre, hey, je m'en vais chercher ça. Non, mais il est Après, est ça, ça ne pas dans ma chambre. <laughs> J'ai essayé dans le studio, Antoine n'était pas d'accord, mais non, j'aime vraiment ah ça, non, non, ce que moi, vous l'avez mis. Tu trouves que ça fait tellement bien parce que, je veux dire, nous autres, en production vidéo, c'est ouais. un, un film euh, légendaire. Non, non, mais tout. Ça fait ça tellement bien ici, dans le Andy Dufresne, là. Il est innocent. Ah, il est ah, innocent. Pas comme O.J. Simpson qui a, qui a été non coupable et <laughs> qui aurait dû être coupable. C'est l'histoire inverse. Euh... Moi, je sors des vieilles controverses ici. <rire> yes. <rire> Mais euh, Mais ouais, pour vrai. Puis en plus, euh, cette allée là va sûrement devenir une année de. Une année. Une allée de print mmh. d'or et tout. Donc oh, ça. Ouais. ça, fait ça, fait ça fit, route, parfaitement. Ah, ça, c'est dans mon top 5 des films, là, les gars. Là, je ah, vous dis. Je, que que je que pense d'autres aussi, là, tu sais, oh, euh, ouais. tant au niveau des acteurs que l'histoire, que le, 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 le filming, là. Moi, tu sais, mon frère, justement, il y a un gros poster, man, d'un de mes films préférés. Sinon, mon film préféré, tu sais? c'est Cartel. Okay. C'est Johnny Depp dans une des. Quand il est dans l'appartement. Ah, oh, même, on s'en va. Excusez, man, là, que... -là même. J'ai juste ce film-là dans ma tête. Je viens de casser mon bail. Même les gars, gars, même... <laughs> de ah gars hétéros. Non, mais le nom de coiffeur, il, il, quoi, il, il dans son rire, appartement mais... puis qu'il y a des boîtes remplies de cash. là. Oh, ouais. Il y a du cash partout, même. J'ai juste ce film-là dans ma tête. <rire> <rire> mais même, même, les gars, même les gars hétéros comme nous autres, on va tout être bandés sur Johnny Depp. Johnny, Johnny, Johnny. Johnny Depp. Johnny <laughs> euh, Quel homme! Quel je, homme! Je veux pas. Ouais, euh... toi, man, il est en voilà. train de mettre la pression, les boys. Se fait ah, euh, non, je pense ouais. qu'il y a un ado. Je veux pas couper votre phone. mais on parlait de okay. thérapie. On parlait de thérapie. <laughs> on parlait thérapie, de comment la musique est à, est à thérapie. Ouais. Je sais que ouais. tu voulais probablement nous jouer un petit quelque chose de ton inventaire. t'entends te que... ben, hey. Moi, je peux jouer, là, mais je sors le chapeau si ça prend de l'argent. Oh, <laughs> les temps sont durs. On, hey, on, on va on te payer. J'ai une carte de débit, j'ai de la P cache plein les poches. On va faire un virement. Une gang de cheap, <laughs> <'est pas>, ben, <laughs> Encouragez la gang. De cheap. Non, non, mais. Euh... Oh, on va jouer une petite. Qu'est-ce que tu le goût de nous jouer, même pour euh, conclure euh, ce podcast? C'est hein? drôle, hein parce que j'adore jouer de la guide, mais souvent, quand j'en joue, je vais être seul euh, chez nous. Ben, merci. C'est le faire meilleur honor moment, honor en fait. j'imagine ouais, mais... que jouer devant les autres, ça gosse. Ben, euh, ça devrait pas me gosser, parce que tu comprends, c'est pour ça que je fais ce métier-là, mais ouais. on dirait que je suis pas capable de me shower off. C'est comme. C'est vraiment ouais. bizarre, mon affaire. Ouais autant que je suis prêt à jouer devant tout le monde que je suis pas prêt à hey, écoutez-moi écoutez mes tunes écoutez-moi jouer fait que... ah, mais on t'emmasse masse écouter jouer man, puis on sait ton grand talent tout hey, hey, ça hey. fait qu'on a juste le goût de um, terminer ça là Ouais non hein, mais on ouais. va y aller mais gars dans le fond je savais pas quoi jouer puis tu m'en as parlé tu sais avec le qui sort je vais je la jouerai pas au complet mais je vais faire un petit bout euh... une, nouvelle une nouvelle tune ouais qui s'appelle ouais, Break Me Down question d'être happy au niveau des vocales, check, check, ça va? Fait que si je gueule, je m'arcule. Right? C'est perd une note. Antoine, il s'occupe de ça. Antoine, il est là. Non, non, Antoine, il est comme Je sais, avant de continuer, c'est une pieuvre. Mais non, mais je tiens à souligner, Antoine, on le voit pas, mais petit coquin, merci d'avoir été là, Antoine. Rototom Studio ah, juste, hein, le, le ah, vrai, son hein, la qualité du son le tantôt. setup de son puis tout c'est ouais. génial vous vous en rendez peut-être pas compte là, mais ça c'est un setup de podcast qui vaut genre 40 minutes mm. c'est ça hein? là, moi, not pense... too bright <laughs> but <rire> tu pourrais acheter un petit 10 ouais, peut-être ah, plus peut-être plus, plus. c'est drôle parce que ça fait, ça fait pas loin de 30 40 je sais que c'est un pilote mais ça fait 30 45 minutes puis moi je suis tout énervé sur mon premier fait podcast 35 30 45 minutes ça fait 2 heures non non mais ça fait 30 45 35 minutes que je sens qu'ils sont comme il hey, faut closer il faut arrêter <laughs> puis moi je suis comme nah, non nah, non nah, non, man, on on vrai, closer, non on veut pas closer on veut pas closer mais euh, à un certain point il faut ah, il faut mais parce mais que Ben West va prendre la discussion elle faut terminer mais de non, toute façon ça, pas mes pas... histoires les plus chères dont va je vais les compter hey, un coup que ça va être terminé abonnez-vous au Patreon Abonnez-vous ouais. au Patreon, c'est vrai, il n'y a même pas de Patreon <laughs> Moi, euh, je m'étais emmené deux bouteilles. Frank, il l'a montré. Moi, Puis Son moi, là... sac à coucher à chat. Puis, Frank, est venu en taxi. Moi, je suis tout énervé, là. Pour vrai, les boys, ah, merci d'avoir invité. Amen. Euh, merci plaisir, pour vrai. Euh, euh, Chris que euh, euh, c'était euh, euh, un truc, ouais. Anytime, tu sais, je ne peux pas revenir à toutes les semaines, là. Mais, si vous voulez que je revienne, juste jaser n'importe quoi, même si ce n'est pas sur mon ben. Lorsque chez vous, c'est vraiment cool. Beau On projet, pourrait faire euh... en sorte qu'une fois de temps en temps, tu as Matt qui arrive, qui s'assied à côté de l'invité. Ah ouais. Tu jases de la barnaque, as une belle jasette, Ah, d'or. Je suis l'avocat du diable. Moi, je suis <laughs> de... <laughs> Danny Turcotte. Euh... Sans que, les euh, jugements. <laughs> Juste la bonté. Hétéro. Pas les <laughs> puis hétéro Puis hétéros. Ah oui, ah, non, surtout dans les derniers temps. Hein, non, ça, a pété, ça ouais. Ben On voyons. Se On se calme tout de suite. Dans le temps qu'il faisait de l'humour, Danny Verven, c'est ça. Ben voyons! Okay. Voyons! <laughs> Qu'est-ce que t'as là? Va bon, jouer avec tes tantes, <laughs> Danny! Le le Danny, le Danny, bah, Danny! Ben, ah, oh, t'avarnouche en tout cas, mais merci beaucoup les boys, puis, euh, mmh. merci à toi. Euh, ça plaisir. va comme suit. Ouais, fait que euh, c'est ça, tourne euh, du euh, dernier stock, Break Me Down, une petite version raccourcie, puis euh, 14 février, le EP complet, 5 tours en, en anglais, une en, en, en français, 6 total. Habituellement, quand mais je bon, m'en farche pas d'un mot. Bon, Bon. Ça sonne super <laughs> bien. C'est compté. <laughs> Dans le fond, c'est une bonne affaire qu'ils coupe ça avant la deuxième bouteille d'avant. <laughs> ok. Ok. okay. <laughs> ah non, vous auriez eu du fun. Je vous, le ga... je vous le confirme. Get your shit together now. open up to me you and i were never gonna last forever thought i always made my feelings clear my girl no, I still love you. Never meant to hurt you. Just not time for me to make us what you wanna be. Still now, not sure if I really wanna leave this thing we've got. Yeah. I'm want be? I can give you a part of me, but I can give you all of me. And girl, you know I still love you. Never meant to hurt you, just not time for me. To make us what you want to be, still now, not sure if I really want to live this deal with God. Yeah. yeah, I know you're gonna leave me, break me down to pieces. I Just the way. Yeah. Let's make it. ouais yeah. ça sonnait avec ça, un ça speaker je sais Ouh. plus putain man yo pour vrai euh, right. en tout cas on prenait parce que c'est le pilote on prenait des photos des stories en même temps euh... man. <laughs> mais tabarnak de hook ah, merci man, man. merci bon man. man ça euh, ça je tiens à le souligner là euh, c'est une tune qu'on a écrite puis à la base c'est Jesse beaucoup mon guitariste puis euh, Rick avec qui j'avais de la tournée mm -hmm. qui ont sorti cette tune là parce qu'ils écrivaient beaucoup de tunes les deux ensemble puis euh, Rick, euh, je pense qu'il n'est pas nécessairement. Puis tu sais, Jess, vu qu'il l'avait écrit, puis moi, c'est une tune qui venait euh, qui, 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 qui venait me chercher beaucoup. Fait que, euh, au niveau de l'interprétation, puis c'est sûr qu'après ça, on l'a retravaillé. Ça a ah, des... dans ta voix. Oui, ouais, sang... au niveau des textes, puis au niveau des lyrics, euh, t'sais, euh, t'sais, euh, des, des instrumentales, on a, on a travaillé ça pour que ça soit Velvet Black, là, mais euh, non, euh, ça vient me chercher ça. C'est ça, ça va être sur le, le nouveau stock. Euh, Pis euh, non, je pense, ben, pense que vous allez aimer ça, les gars. J'ai hâte de vous faire entendre ça. Au pire, en fait, ben, quand ça va être ça. fini, j'ai les versions avec ben moi, moi. Je les ferai écouter ça en primaire. C'est tellement dommage, là. man. On a tellement eu un beau podcast, man. C'est tellement dommage qu'on n'était pas <laughs> réellement en mode genre que c'était parti. C'est sûr que bon ce podcast-là, on va le repartager. Présentement, ah oui. la page est encore en mode privé dans le fond. Oui, mais oui. c'est sûr que je veux te mettre, man, de l'avant de même. Là, pour vrai, on a eu une assez belle discussion. Ce que tu viens de nous chanter là, c'est malade. Moi, tu, on l'a dit depuis le début, moi je vous suis depuis le début, man. Puis ce que vous allez sortir, ça va être du lot, ça va être très bon. Ah, ben, je fait pense que c'est le stock mais... le, plus, le plus travaillé, le plus mature qu'on a fait jusqu'à date. Puis euh, on a travaillé avec euh, des producteurs incroyables, là, Ken, Ken Price, qui est euh, le guitariste de Franklin Electric. Puis euh, Mario Tellaro, qui est un drummer exceptionnel aussi, qui euh, drum pour euh, Bobby Basini. Les gars, c'est des prodiges, c'est des, 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 des génies de la musique. Puis, pas juste ça, c'est des personnes, euh, des personnalités incroyables. C'est vraiment des, des, des humains sweet. Euh. C'est le fun parce que c'est la première fois que j'ai vraiment, autant au niveau de la musique qu'on n'a pas viré les coins ronds avec les tones, avec les vocales, qu'on a pris le temps de tout faire comme on voulait. Tu sais, que c'est vraiment la première fois qu'on a de quoi, qu'on veut comme on veut, puis que, que c'est comme le son, puis tout est là. Que l'expérience euh, d'avoir travaillé avec des gens comme ça m'a tellement fait grandir, C'est vraiment cool. Ça tarmait ça, ça les deux pieds à euh, à terre. Pas vrai, là. Euh, Non. Fait que euh, je suis bien fier de ça. Je pense que les gars aussi. puis, euh, ouais, ouais. viennent que pour eux, j'espère que ça va, aller, ça va aller chercher beaucoup de monde, ça. Parce que je pense que c'est de la bonne musique. Euh, j'espère juste que le monde va se retrouver là-dedans pour euh, passer ça. À la base, moi. Je suis un gars qui a peur de la mort, même si je vis ma vie à 100 000 à l'heure. J'ai peur de la mort. Puis pour moi, jouer de la musique, c'est que 20 ans après que je sois mort, tu sais, que je sois capable de faire filer du monde avec ma musique. Tu sais. C'est pour ça que je fais ça aussi un peu. Tu sais, de je veux, je veux, rester vivant même quand je vais être six pieds sous terre, tu sais. Fait que, uh, anyways. Mais... Sur, mais le, f... sur ces paroles, euh, ouais. très profonde mais très réelle. Je te dis merci beaucoup d'avoir ouais. accepté ouais. l'invitation. Merci, merci. Ouais. merci Antoine, merci Alexis, merci Frank, François, et merci bon. Antoine. Très nice. encore. Au une son, fois, merci à Antoine Nadeau au son. Ouais, et puis, est euh, ça, les Boys uh, anytime, idiot. anytime. Uh, de toute euh, façon, euh, là c'est le podcast vrai. qui finit mais la discussion va continuer. Faut ouais, chier ah. qu'elle a dit parce que le vin est pas fini. on va ouvrir la deuxième bouteille. En tout cas, pour vrai, bien content. Euh, J'ai lancé cette idée à travers le studio un moment donné, random. Tout le monde a répondu. Vous êtes fucking nice. Je vous aime. Merci. Ta voix me fait bander de temps en temps. Euh, Écoute, je suis prêt à faire bander une et, coupe d'heures encore excellent. là. Euh, J'ai je... des skinny jeans, fais attention. Non, non, mais <laughs> non. Puis euh, les boys, euh, comme je vous ai dit, merci pour l'invitation. Puis euh, longue vie à votre podcast. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Euh, c'est très quasi. Puis, euh, je veux dire, on sent, on sent bien, on sent, on sent à l'aise. Euh, puis, je vous souhaite longue vie à ça. Puis, euh, bonne chance euh, là, avec ce projet-là. Là. Pour vrai, je sais que vos carrières avec vos, vos compagnies respectives vont, vont très bien. T'sais, 35 mm, puis Ridge Bros, ça va bien. Mais un projet commun comme ça, vraiment, au niveau du podcast, je trouve ça intéressant, surtout au niveau euh, artistique. Là, de, ah, D'aller chercher des artistes là, tu, de tout le monde. Tu target, là, je veux dire, depuis le début, qu'ils sont là euh, avec moi, euh, man. On a fait des projets ensemble et tout ça, mais je sens qu'il y a une, une synergie. Mmh. Yeah, oui. <laughs> Genre, je veux oh, dire, ouais. il y a un bon vibe et tout ça. Qu'est-ce que tu allais faire? Allais Alexis me fait bander dans mes culottes aussi. Là. <laughs> mais non, non, non mais, mais c'est parce parfait, que, euh, tu sais, euh, rapidement, euh, dans la vie de vidéaste ou d'artiste, il y, y a plusieurs stages, tu sais. Puis euh, de rencontrer des gens qui, qui t'apprennent des trucs quand tu es autodidacte, c'est cool. Frank fait partie de ces gens-là. Ben, je, puis... je, je pense que autant pour toi d'apprendre de Frank mmh. que pour Frank que, que vous apprenez de lui. Je dans pense que tu comprends. Dans, dans les, non, mais dans, dans les deux <laughs> cas, je pense que c'est très flatteur, man. Puis je pense que, tu sais, pour Frank, puis moi, on s'en rend pas compte parce que tu fais juste travailler pour que tes affaires marchent. Tu ouais. sais, c'est vrai, Frank, tu comprends ce que ouais. je veux dire. Puis puis veut, veut pas la vie. Euh, tu sais, on est rendu dans la trentaine. Tu sais, on a plus 20 ans. tu ah a... Non? Ben, on est encore jeunes, jeunes de Je le sens pas avec ce gars-là. La première fois que je t'ai rencontré, Chris, que je savais pas que tu étais, étais plus vieux que moi. Mais ah, tu le, le sentiras sens. pas avec moi non plus. C'est sûr que ton frère est plus vieux que toi. Ouais, que... Ça. Bon. Tu le sentiras pas, pas sens. avec moi non gros. plus. Mais ça, ce, c'est ce, un sujet pour un autre podcast. Ouais, bon. Bon. C est c est ça. Euh, merci euh, beaucoup. Merci les boys. Coupe les micros. Je vais laisser Mademoiselle en outro parce qu'on n'a pas d'outro encore. Après ça, je vais cutter le live. Ça fait plaisir. a sopa mas é